Hop, salut tout le monde! Bonsoir à tous! Voilà, il y a Résus qui est là, hein, c'est le tour de Résus. Ah, bonjour. Ah oui, attends, Résus, ils t'entendent pas! Ils t'entendent pas, les malheureux. T'es sur mes enceintes, pas sur mon casque, attends. Hop, hop, hop. Voilà! Parfait. Ah ouais, le pauvre Résus qui s'est fait déclarer la guerre par pas mal de clodos. Tu es en avance, bah ouais! Bah ouais, Résus était là! On a lancé un peu avant pour se rafraîchir un peu la mémoire. Et je me suis dit, autant lancer. Ouais, ah zut, attends, j'ai pas mis le son, le nom non plus, le son global du jeu dans le casque. Ouais, Résus est en guerre contre 3 ou 4 factions. Hop, les Francs, les Lombards, il y a toute la racaille. C'est le Saxon qui est posé dans la vallée du Rhône, là, à Lugdunum. Sykes? Oui, c'est le Saxon, ouais. Vache. Il est balèze, hein. Ouais. Il va de Thuringe à Arles. Putain. Ouais, bah. Le vide que j'ai fait en Gaule est en train de se remplir doucement mais sûrement. Je commence à avoir pas mal de visions vu que je fais du trade avec pas mal de monde. Je fais pas mal de trades. Donc ouais, Résus m'avait humilié hein, à Obispo, vous vous rappelez. Mais l'IA visiblement, a pas l'air décidée à attaquer. Humilié, humilié tout de suite. Ah oui, tu m'avais mis une fessée. Mais j'ai fait pas mal de pertes. Ce qui fait que l'IA a pas l'air décidée à attaquer. Ça va me laisser suffisamment de temps pour remettre la colonie sur pied. Et tu t'es... T'avais mangé la garnison, mais mes armées principales n'étaient pas là vu qu'elles recomplétaient. Au final, Putain, il faut que je rappelle Supergo là. Supergo, c'est qui ça? Celui qui a des yeux de go. Ah, J'ai oublié où il est. bah, il est chez moi, non? Attends, on est Ouais, il est pas deux. chez moi, lui. Ah non, il est là. Oui, enfin, il y en a un autre chez toi, mais c'est pas celui qui a des yeux de go. Putain. Résus qui balade ses espions chez moi en mode YOLO. Ouh, 11 000 le Civitas. 11 000, mais Alors les... là, il y a une armée de Saxons. Là, il y en a une deuxième. Des Longobards, des Gothoses. Tu vas être attaqué, Résus, il y a du beau monde qui arrive. C'est compliqué. J'ai très envie de... Ouais, j'avais dit que j'allais dégager ma taverne. Ma taverne, Là, je taverne. pense que je vais devoir un tel impassif recevoir parce que. Résus est un peu sous pression des barbares. Ça fait plaisir. Chacun son tour. C'est des vraies armées avec des vrais gens, quoi. Ah ouais? Il y a Ah de oui, la, c'est y a, pas. y a de la belle troupe. C'est pas du C'est pas clodo. du rebelle pouilleux. Hein. Bon, après, oui, en vrai, ça va. Ça tient la route, quoi. Ouais, Après, mais... jouer par une IA, ça sneak. Mais si tu la joues. Allez, Résus, choisis ta bataille judicieusement Ouais. et ça va le faire. Là, il y a une armée complète avec un général. Combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 étoiles? Bon, ça va, Ah 6 points. ouais! Ah ouais, quand même! Il a roulé sa bosse, lui. Ah lui, il arrive... Ah, ça a l'air sympa, l'Italité, c'est... Ah bah, c'est eux, les fameux Romains! Résus! Ah non, non, non! Mais je me suis déjà installé, moi! Bah écoute, on est bon, je pense. Bah, feu patate, Résus. Je vais garder le Castellum Limitum, hein, vu que je suis en guerre là. Hein. Ok. Et là, vu que j'ai l'income est bien montée, la bouffe est en train d'arriver. Oh là 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 là. Je vais pas oser faire ça à Obispo alors que je suis en guerre. Par contre, Pax Augusta. Oh, mais les villes à 13 000, au secours. Les villes qui coûtent une fortune là, c'est vraiment pas top, hein. C'est vraiment pas top du tout. Oh, et moins 54, au secours! Moins 54, Résus, quoi. Ah bah, il va y avoir une révolte, hein. Mais ouais, mais putain, j'ai autre chose à faire que mater les rebelles à la con, quoi. Et j'ai... Ouais, ici, ça recomplète la Mais troupe, moi aussi, hein. tu vois, j'ai autre chose à foutre que de mater les révoltés en Corse de merde, là, mais il va falloir, hein. Est-ce que j'amène l'armée?
Ça m'immobilise une armée en plus, hein, de la merde. Mes armées recomplètent pas assez vite. Bon, là au moins on a recomplété. S'il revient, on aura une plus grosse armée. Mais au moins il recomplète pas sa troupe. Ça me laisse du temps libre. Bon bah, on va investir. Je vais investir. Après, s'il pouvait être gentil et s'empaler sur Milan comme un grand garçon. Non, ça fait trop. Et faire comme les rebelles. Hein. Et peut-être qu'il va faire des armes de siège pour de vrai, Resus aussi. Non, non, ça serait vraiment. Non, mais c'est une perte de temps, puis c'est pas écolo. Ça coupe du bois, tout ça, c'est pas. 11 000 de thunes. Oh là là, mais ça coûte tellement cher, mes bâtiments. Oh. Coucou les gueux, ah bah ça va, Sarko on fire. On parlait de toi cet après-midi, on parlait de mecs qui collectionnent les talonnettes. Tu vois on parlait de toi. Bah écoute, Resus, moi c'est bon. Tac. Ah non, attends, j'ai pris du graton. Rien qu'autour de moi, là, j'ai 4 armées. Ah ouais ? Ah, j'aurais, en effet. Je chierais un peu dans mon ben à ta place. Oh, Pyrrhus qui fait péter les œufs. Merci, mec. Merci beaucoup, Pyrrhus. Oh, secours ! Ce que je vous redoutais. Bataille, Resus ! Mais j'ai pas envie de faire péter mon Joker tout de suite quand même. Ah là là, Resus, Resus, le Joker, 5 premières minutes de la session. Aïe aïe aïe. Ça m'emmerde profondément quand même. Ça sent la bataille. Ils sont 6000, je suis 3500. Ouais, putain, le truc c'est que c'est la seule ville qui est pas romaine, forcément c'est celle qu'ils attaquent. Ouais, je vais faire péter mon Joker, aïe, je crois. Aïe, 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 Resus fait péter son Joker. Ouais. Donc je mets quoi, Resus? Je mets Spectate. Hop. Ah ouais, ouais, double armée. Oh, t'as une jolie armée aussi, hein. Bon, bah écoute, j'ai hâte de voir ça, hein. Spectate, c'est parti. Ouais, le problème, c'est que j'ai 3 caves et c'est pas terrible pour défendre, mais... Resus fait péter son Joker. Après, son armée a déjà pris cher, hein. Par contre, sa première armée est full... Ouais. C'est pas forcément le beau call de claquer direct, mais bon, c'est une ville qui était rasée, j'ai tout investi ma vie, j'ai passé 50 tours à la relever. Donc il a des belles troupes avec XP et tout, hein. Oui. Mais normalement, avec un peu de chance, l'IA est teuteux, et donc sa cave, elle va s'empaler. Mais, le Normand, coucou. Il a fait des armes de siège, ou comment ça va se passer, là? Il a des balises. Non, mais il n'y a pas de mur, en fait. C'est juste il n'y a pas de mur, d'accord. Ah, non, non. Bon bah utilise bien tes petites balistes là, tes scorpions ils peuvent faire mal. Putain il fait bien... Ah oui c'est on dirait l'Islande quoi. Ah ouais. Ça change hein les Alpes. Ah ouais les Alpes ça a changé hein. Moi je joue pas hein, on va laisser Resus... Oh là là l'armée de Resus en défense, matez ça. Alors... Il y a du beau monde hein. Avec des ses troupes romaines là. Oh, il va se mettre bien Resus, il va bétonner là. Il y a de l'archer. Ah, il faut avec Gérard. Hein. Le brave Gérard. Gérard. Mais normalement l'IA est con. Mais donc c'est l'IA. Ah ouais, il a quelques jolies balistes quand même. Les scorpions. Pas mal. Bon, il y a deux armées, il y en a une autre là-bas. Voilà. Et en général, il a de l'infanterie Resus très lourde. Very heavy infantry, eux, ils ont l'air d'éther. Hein. Ah oui, 105 de morale, 64 de vie, 65 d'armure, 41 en DPS, ça rigole pas. Hein. Ah ouais? C'est quoi, c'est leur général? Ouais. Tier 3, 160 mecs, si tu peux mettre des bons coups là-dedans. Ils ne rigolent pas. La poutre de Bamako, t'as vu un peu les pseudos que j'ai... C'est le nom du général, tout simplement. La poutre de Bamako, ouais. La poutre d'Illyrie, tu vois qu'on l'appelle. le gourdin illyrien.
Oh putain, le placement dans les villes, ça. Ah ouais. Surtout avec une armée aussi grosse, Rasus. Ok. Ah ouais, tu vas te mettre sur les murs là, tu vas avoir une belle position. Ok, on va y arriver. Résus fait péter son joker dès le premier tour. La session Je va être se frotte longue. Les mains. La session va être longue. Je vais pouvoir faire du chantage. Écoute, Résus, ta prochaine bataille, tu la joues pas. Puis, là, je spectate, tu vois. Alors, Résus, tu la lances, tu me lances ton merdier ou quoi là? Ah, bientôt. Le grand gars, merci pour ton sub, mec. Merci beaucoup. Ok, il me reste quoi dehors là? Il me reste un truc de merde là. Voilà, c'est pas moi qui joue. C'est Résus qui affronte l'IA, il a mis son petit joker. Ah, c'est parti! Est-ce que l'IA va être capable de... Bon, je pense que Résus va essayer de venir se débarrasser des scorpions avec sa cave. Il y a de la troupe fraîche qui arrive. Il aurait eu peur. Ouais. Tu veux pas perdre une ville. Parce qu'il y a quand même, il y a quand même une jolie armée. Il y a des scorpions qui peuvent faire très très mal s'ils sont bien placés et amenés assez près. Ouais, tu veux peut-être pas... Tu préfères affronter l'IA qui est un peu plus coconne et va se jeter à l'attaque. Je peux comprendre. Par contre, si après il a une bataille plus grosse, il va peut-être regretter. Ah, ça y est, ça s'abatte. Alors, Résus en bon lâche, hein, s'est retranché sur son oppidum. Derrière un mur de boucliers. C'est du clodo en face. Non, y a pas de clodo là. C'est une belle armée. C'est quoi ça, Résus, comme faction que t'affrontes? Je sais plus, les Saxons, non? Ouais, les Saxons. Ouais. Ils sont pas dégueux. Hein. Y a quand même des archers de choc. 72 de charge là. Ça rigole pas. Il y a quand même une. C'est des belles troupes. Donc là. Ça rigole pas. Hein. Comprenez que Résus là. J'aurais bien aimé commander cette armée là, avoir les petits épéistes T3 là, comme ceux que Résus m'avait mis dans les fesses. Et qui m'avait wipé l'entièreté de mon armée avec une unité. Hein, j'aurais bien aimé commander là. Il y a des renforts qui arrivent là-bas. Il y a de la cave qui arrive là. Des light skirmishers. Et du T2. Quel gars se débarrasse des tours. Oh là 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 là. Oh, ils prennent cher les. Ils prennent cher les hashers. Bon, par contre, Résus, c'est du T1. T'es lancier barbare là. Ils vont prendre cher face au choc des... Oh putain, le coquin. Ok, regarde, si tu t'en sors bien, il va empaler sa cave. Il ne monte pas ici. Là, les archers vont se régaler. Oh là là. Tu peux pas monter sur les remparts, Résus, pour faire un meilleur tir avec tes archers sur le haut, là? Ou c'est pas considéré comme des remparts? Si, mais je préfère tirer comme ça. Ah ouais, ok. C'est pas moins précis de tirer en cloche. Je sais pas. Ouais, t'as plus d'angle, enfin t'as plus de souplesse quoi. Mais je pense que t'es beaucoup moins précis. Oh là là, ton unité Résus de... Ton pauvre T1 là, il aime pas trop la cavalerie lourde. C'est même pas de la cave lourde, c'est du Light Skirmishers. Oh là 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 là, Résus, j'espère que t'as des renforts de piquier là. Les hashers sont en train d'en faire de la compote. Hein. Ah ouais, les hashers saxons, ils rigolent pas, ils sont déter, les hashers saxons. Hein. C'est du T3.
Oh, ça fuit déjà, bah ouais, mais c'est... Les hacheurs saxons, ils sont plutôt déter, hein. La première ligne de défense de Résus vient de lâcher. Oh, mais non, mais Résus, t'as vu tout ce qui arrive? T'es pas un peu inquiet? Ça non, non, t'inquiète. C'est qu'à... Ouais, y a de l'élite là-dedans, beaucoup d'élite, hein. Bon, là, non, est-ce que c'est quoi? Ok, là, c'est du T2, c'est plus lourd. Là, ça va être de la meilleure troupe de def. Ça va beaucoup mieux tanker. Ça va beaucoup mieux tanker. Résus va temporiser. Il a beaucoup de tireurs. Il a beaucoup de tireurs, il a encore beaucoup d'archers. Donc il est bien, Résus, là. Ouais, le T1, c'est là où on voit que le T1, à ce moment-là du jeu, est plus viable, en fait, que le T1. Le T1, ça se fait ouvrir, même avec des formations défensives. En bas à droite, tu peux enlever le trébuchet en cliquant sur le petit trait. Hop, voilà. Ah oui, désolé. Bon, là, la cavalerie qui vient s'empaler. Vous voyez, là, un joueur humain, il aurait mis la baliste en bas et il aurait fait un tir direct sur les espèces d'affreux, là. Sur les trois sections de Résus paquet. Oh là là, les archers de Résus qui se régalent. Il y a un peu de contre-batterie. Ah, Résus avait beaucoup de tireurs. Ça va bien l'aider, ça, les tireurs. Perte. Voilà. Oh non, mais il y a encore une armée qui arrive en renfort. Oh là 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 là. Il rigole pas, le Saxon, là, quand même, hein. Mais Résus, il a une excellente position défensive. Tu sais, t'aurais même pu faire ça contre moi, Résus. Je vois pas comment je serais allé prendre ça. Hein. Regardez, là, ça tient bien. Il a pris que 10 pertes. Il doit être en mur bouclier là. Et là, il se régale avec ses archers. Hein. C'est un tir au pigeon. Pas de ligne de vue. La meilleure map de def, c'est cadeau, hein. Ce qu'il leur met et ça continue à s'empaler. Ça prend quasiment pas de perte en plus sur la def. Là, les archers, ils se régalent. Là, les archers, ils se régalent. Il y a de la réserve, ouais, il y a de la réserve des deux côtés. Par contre, il commence à avoir ces archers qui ces archers qui tirent aussi, hein. Ces archers tirent, mais ils font quasiment que dalle. Là, c'est là où l'IA est très très conne, hein, parce que là... Oh là là, et là ça s'incruste là sur le flanc, hein. Là, un petit tir d'archer dans le tas. Sur ça, là, ça aurait été un régal. C'est là où l'IA fait de la merde. Résus va nous faire toute la session sur cette bataille, vous allez voir. C'est ça pour empêcher Pépé d'utiliser son joker. C'est ça. Ah non, Résus a mis son joker, les gars. Il a mis son joker pour la session. On a un joker par session pour empêcher l'autre de faire une bataille comme ça. Parce que là, moi, j'avoue que j'aurais bien aimé commander, hein. Il y avait des trucs à faire, hein. Il y avait des trucs à faire parce que son gros pâté là aurait été une cible merveilleuse pour les scorpions et compagnie. Donc Résus, il a eu raison de mettre son joker sur cette bataille. Hein. Il est là pour ça, le joker. Hein. C'est quoi ça? Ouais, c'est des slingers. Ouais, l'IA qui fait de la contre-batterie, pas dégueulasse, hein.
Il a fait des pertes là aux archers. Ouais, je sais pas, je peux pas viser ces archers moi. Ah ouais? Lui il peut. Ouais non, je peux pas. Trop loin? Bah visiblement il doit avoir des archers qui tirent. Ouais, il a des archers qui tirent plus loin. Ok. Combien il y a de jokers? Un joker par session. Donc là, Résus, dès le premier tour, a mis son joker pour l'entièreté de la session sur cette bataille. Et il a eu bien raison, je pense. Hein. Parce que cette bataille-là, elle est... Dites-vous qu'il y a encore du lourd qui arrive. Hein. Il y a son élite, qui arrive. Et... Ouais, il prend de la contre-batterie, ça monte à l'assaut. Il a encore pas mal de flèches. Oh là 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 là. C'est une des plus grosses batailles qu'on ait eues depuis le début. En termes de quantité de troupes. Teresus commence à avoir un peu de bagarre, quoi. Depuis le début, il glande à la Al Bundy avec la main dans le froc. Oh, je suis sang et larmes. Ouf. À un moment, ça allait commencer à avoir un peu de combat. Et encore, heureusement que l'IA est très très conne, hein. Là, ça, les unités du Saxon font la gueule. Résus fait un bon tir là. Tu fais du tir lourd, Résus, contre le pâté là? Bah, j'en ai que deux qui peuvent faire du tir lourd. Donc, oui, je les ai mis en tir lourd. C'est du grind. Bah, souvent, Attila, j'ai l'impression que c'est comme ça que le jeu se joue. Hein. En def. Hein. Regardez, Résus qui envoie la sauce. Après, il a de la réserve. Hein. Il peut tenir longtemps comme ça à faire du turnover avec ses troupes et il prend pas de dégâts en def. Le Saxon va craquer simplement au corps à corps. La viande qui arrive. Bon, après, là, regardez, il a mis un. Hop là. Une petite barrière. Et l'IA attaque pas les barrières, c'est ça? Elle est toujours aussi conne? C'est ça. Incroyable. Et des gens, vous savez que des développeurs ont codé ce jeu, hein. C'est ça le truc, hein. Des fois on a du mal à appréhender, mais des gens ont codé ce jeu. Oh la vache, il a réussi à mettre tes archers en fuite, hein. Incroyable. Ouais, c'est pour le mettre en confiance. Ouais, contre-batterie efficace. Qu'est-ce que les flèches sont mal faites quand même. Quand vous sortez de Medieval 2 là, regardez comment ils ont pu se louper à ce point. Regardez, y a... Comment les flèches... Enfin... C'est incroyable, non? Ah bon, l'IA attaque les barricades. Ok, d'accord. Dans tes sessions. C'est beau. Moi, ça c'est. J'ai quasiment jamais vu une IA attaquer la barricade. Elle la contourne généralement. Mais... Peut-être que si elle a absolument aucun accès, peut-être qu'elle l'attaquera de par défaut. Ouais, s'il y a vraiment. Oui, s'il y a aucun accès, pense, normalement, ouais. Elle essaye de. Niveau graphique, tu l'as à fond le jeu, je pense pas. Il est beaucoup trop gourmand, Attila, en termes de perf. Déjà là, bon, c'est. Elle est surtout pas optimisée, mais. Oui, il a été très mal optimisé. Ça change rien que les flèches sont très mal faites. C'est pas une question de graphisme, c'est une question de mécanique et d'animation. On ressent aucune puissance dans les tirs. Voilà. Elle l'attaque en tout cas. Bah écoute là, Hector 3, tu peux raconter toutes les conneries que tu veux, mais j'ai pas vu l'IA venir attaquer ça. Tu vois? Non. Et depuis que je joue à Attila, j'ai jamais vu une seule fois une IA attaquer une barrière. Tant qu'il y a une autre voie d'accès. Elle contourne, ce qui est totalement absurde. Donc tant mieux pour toi, ou tant pis pour toi, si l'IA s'est adapté à ton style de jeu. La fameuse IA adaptative de... C'est ça, de Creative Assembly, ils vont rouvrir l'éruption finie. Pas du tout, ils rouvrent le Blue Lagoon alors que c'est extrêmement risqué. Mais ils ont tellement besoin de thunes et ils veulent tellement de pognon qu'ils sont prêts à prendre le risque
L'éruption, au contraire, n'a jamais été aussi active. Aujourd'hui, c'est incroyable l'éruption. Va voir sur YouTube, tu tapes Iceland Eruption. T'as carrément une cascade de lave qui sort du cratère. Depuis cet après-midi, c'est de la folie. Oh, Résus qui passe à la contre-attaque, regardez! Il vient choper les archers! Magnifique. Le jeu est tellement au petit avec le pu, putain. Faut pas regarder la bataille en fait, ça lag moins. Ouais, c'est ça. Ah bah, c'est que Attila, ça pour faire des DLC pourris et des machins Blood and Gore, là y'a du monde. Hein. Par contre, pour un petit jeu, y'a plus personne. Pas mal, Résus, ça. Ouais, après, il me disait que c'était quand même. J'allais me faire ouvrir par les javeliniers, mais bon. Ouais, mais ça va. C'est quoi ta cave? Du T2, des Equites. Oh, des go taurons, ok. 110 de charge, les go, pas mal. Et ils sont même. Ils doivent te coûter une blinde, Résus, tes go à 110 de charge avec 35 d'armure et 45 de vie. Ils sont pas dégueux. 60 de morale, c'est de la belle troupe, ça. Et là, pareil. Allez, ça fuit. Ça décolle beaucoup de lave. Ouais, c'est incroyable. Depuis cet après-midi, le cratère, en fait, la petite sortie qu'il y avait en bas du cratère est bouchée. Ce qui fait que la lave est montée comme une piscine. Et vous avez une cascade de lave qui sort du cratère. C'est assez incroyable. Ah, bah ça, ils attaquent la barricade, là, ils en ont marre. Ah, bah voilà! Hector 3 avait raison, moi. Eh oui, les gens assument toujours qu'un Total War est meilleur que le précédent parce que ça va en avance dans le temps, mais c'est pas forcément vrai. Il y a beaucoup de gens, des développeurs et tout, qui se barrent, et le savoir-faire est oublié pour certaines choses. Et on se retrouve avec des jeux qui sont pas forcément meilleurs en termes de mécanique. Parfois, je pense que les graphismes suivent, mais il y a certaines choses dans le jeu qui ne suivent pas. Un Medieval 2, je trouve, est en termes de fluidité des combats, Medieval 2 est plus fluide que Attila. Et Shogun et compagnie. Allez, Résus, accroche-toi. Oh putain, Résus, t'as perdu, t'as des go qui fuient. Les lâches. Ouais. La digue résiste, visiblement. Ouais. Allez, à combien, Résus, là? Je peux pas voir la vie de la palissade. Ah, t'es sûr qu'il parlait pas de la digue du volcan? Ah, la digue résiste, ah, putain. Ouais, les digues, c'est bon. Ils les ont surélevés de plusieurs mètres, déjà. Obligé. Ça n'a pas répondu à ma question, Résus, ta barricade, elle est à combien de pourcents? Je la vois pas. Mais je sais pas, justement, j'essaie de regarder depuis tout à l'heure et j'arrive pas à voir. Ah, ok. Mais c'est très long à la faire péter, quand même. Je sais pas. Bon, la cavalerie de Résus. Elle a l'air amochée, donc. La cavalerie de Résus qui fait le boulot. Hein. Oh, t'as chopé ses scorpions. Oh là là, il aura rien fait avec ses scorpions. Attends, mais il avait deux unités de scorpions, quel gâchis! Oh là là, eh, heureusement que tu m'as pas laissé le commandement, Résus, hein, parce que j'aurais utilisé toute l'heure, j'aurais mis les scorpions entourés de machins, et je t'aurais savonné comme une salope. Hein. Ah bah, c'est le jeu, fait de moi son souillon. On n'est pas pressé, Résus, on vient, on chill le dimanche soir. Si la bataille elle dure une heure, elle dure une heure. C'est comme ça. Ah, je crois que la barricade a lâché. Qu'est-ce qu'ils m'ont fait là? C'est quoi ça? Oh, c'est du T2. T'as encore des flèches, hein. Putain, la quantité de flèches sur Attila. Ah, il a encore du lourd qui arrive. Et la cavalerie de Résus qui est en train de faire un carnage. Elle bosse bien ta cave là. Ah ouais, je l'avais mise à l'arrière en sauvegarde quoi. Choix judicieux. Ça te permet de te débarrasser de ces tireurs qui avaient encore beaucoup de flèches.
Ah bah attendez, c'est le début du tour, Zeus doit encore gérer son arbre généalogique, hein, après. Hein. C'est vrai, il faut l'étudier en il profondeur. doit apprendre les noms de ses nouveaux héritiers, voir s'ils sont fidèles, tout ça. Hein. Eh ouais, je voulais pas tester. Hein. Sacrée bataille en tout cas. Sacrée bataille. La cavalerie de Rhesus est en train de faire un carnage dans les légers là. Bordel. Le débit c'est juste ouf. Ouais ouais. Il y a le débit de lave est assez incroyable. Le débit a augmenté cet après-midi. Et ça fait vraiment beaucoup beaucoup de lave qui est en train de sortir. C'est très très impressionnant. J'ai hâte de voir cette nuit. Si le débit reste. Les images cette nuit elles vont être folles. Bon, le taf, ces mecs, je peux faire qu'une seule. Enfin, qu'un seul exemplaire de ce truc, mais les écouter ce promoti là. Ta cave là, de ta cave T2. Ouais, ma cave romaine là, elle est pas mal. Hein. Je mate les Gotorum là, les tes mercenaires go. Oh, les TK que j'ai dû faire quand je vois les flèches qui tombent à chaque fois, il y a la moitié qui tombe sur moi. Elle commence à faire la gueule tes infanteries. Ouais, je pense que tu fais peut-être un peu de Freedom Fire. Sentir direct comme ça, la précision elle est un peu dégueulasse. Oh, les petits javeliniers de Rhesus qui viennent se régaler. Regardez. Ouh. Qu'est-ce que c'est mal fait, putain. Quel affreux jeu. Mais ça, rien. Mais ça, on Eh, on est bugué. On n'a pas de ligne de tir direct. Ça, c'est tellement moche. Mais ça. Enemy units have rallied and returned to the battle. Est-ce qu'il y a un peu de Free Ally Fire? Alors, il y a totalement du Free Ally Fire, Rhesus. Hein. Je regarde où tombent tes flèches. Non, mais Rhesus, t'as 50% de Free Ally Fire au moins. Avec tes tirs lointains là. C'est ce qu'il faut. Hein. Ouais, je vois. Tu vas dire ça à tes mecs dessous. Mais attendez, c'est nos flèches. Ouais, un peu de Free Ally Fire. Ouais. Juste un petit peu. Voilà. Oui, ils cherchent pas. Je leur dis de charger ces mecs là. Ils cherchent pas. Oh, magnifique Rhesus des archers, allez hop! Oh, et tes équites, ça, je sais pas combien de kills ils auront fait, mais. Oh, et Rhesus qui charge même! Des archers là, allez hop, à fuera! C'est pas donné par contre le prix d'entretien des équites là? Ah ouais? Ils valent leur pesant de cacahuètes là? Ah bah ouais, oui, heureusement qu'ils font le taf! Tu vas avoir quelques tours complètement là, Rhesus, hein, après cette bataille! Hein. J'espère qu'il n'y a pas des autres armées qui arrivent derrière parce que. Bah, il y en avait encore deux normalement, ah moi je sais pas. Ah bah. J'espère pour toi que. Ouais. Parce que si c'est moi qui commande. Peut-être qu'elles vont attaquer au même tour, je ne sais pas. Si c'est moi qui commande, ça va pas être la même. Hein. Ah oui, attendez, c'est vrai qu'on peut voir les kills dans Attila directement. On va aller voir les Equites. 400 Les Equites de Rhesus sont à 493 kills. Les troupes de choc Go sont à 360 kills. Et ses autres go sont à 267 kills. C'est propre. C'est très propre. Bon, ici, ça. Si ça continue de se battre. Rentable. La cavalerie de Rhesus est très rentable. Il a bien fait d'attendre la fin pour la sortir. Rhesus il continue de s'abattre en faisant un peu de Cannon Fire au passage hein, parce que sinon c'est pas amusant. Et c'est pas fini hein. Rhesus je vais faire pipi. Je pense qu'il y a le temps, tranquille hein. Vas-y, vas-y. Salut Chester.
Et c'est compliqué là, les deux bouts à machin là, les T3. Ouais, je crois que là ça vient de passer au vert. Bon alors, Résus, ça avance? Ça kill? Tranquille, tranquille, la cape se repose. Ici, il fait un peu de dégâts ici, tranquille. Ouais, ouais, l'IA, c'est pas bien, on peut dire ce qu'on veut, mais l'IA. Résus est en train de reposer sa cave là-bas après avoir fait des centaines de kills. Ah oui, Shaken. Putain, là, on serait dans Warhammer là. Ici, là, tu lances un petit sort. Là. Ah oui! Oh, on peut faire ça sur la carte! Je savais pas! Oui, oui. Ah, c'est totalement inutile, mais c'est très amusant. En haut à droite, si, bah en multi, ça peut servir. Quand ouais. Quand t'as pas de vocal et tout. Je préfère qu'ils optimisent le jeu au lieu de mettre ce genre de conneries. Tu vois. On va pas se cacher. Hein, ça est dans Shogun aussi, je crois, ça. Ça vient de Shogun, le souvenir. On va faire du turnover avec ceux qui peuvent balancer des trucs. Bah complètement hein, crash tes... Crash tout résume ça. Attends mais tu vas me faire croire que là ils arrivent pas à tirer, c'est con là. Les skirmishers ils arrivent pas à tirer au-dessus, non mais c'est pas possible que... Non eux je crois qu'il faut qu'ils aient une ligne directe. Ouais. C'est quand même dingue que Med 2 soit mieux foutu en termes de balistique que Attila. Enfin c'est dingue, je suis sidéré par la mauvaise balistique de Attila. C'est incompréhensible en fait. Oh joli là le petit tir là, tac. Promis cette année. Y a pas une petite porte dérobée là pour... Une petite poterne. Ouais. On va les encercler. J'en fais combien mes archers? Il te reste des flèches encore résus ça. Ouais, il m'en reste un qui a des flèches. Et t'as tous tes archers là, mais mêlés sur les murs, ouais, c'est ça. J'ai un archer qui a fui par contre. C'était un archer de garnison. La poterne de Fistion, ah bah ouais, écoutez, Fistion, c'est PGM, hein. Il a pris deux villes en passant par les poternes. Il a compris comment ça marche, hein. C'est mon champion, hein. Attendez qu'il rentre en Mordor et qu'il fasse ça à Barad-dûr. Sauron, coucou, je viens te chercher. Bon, c'est en train de lâcher là. Oh là là, Résus passe à l'attaque. Oh là là. C'est parti. Allez, boum. Ça, c'est un régal. Hein. Comme s'il n'avait pas fait ça à cette kill. Oh, les nombres de kills. La cavalerie est tellement forte. Oh là là. Oh, le pathfinding là. Oh, la petite cabane. Oh, c'est foutu. Ah oui, la cabane. La cabane. Oh, regardez la cabane. Le Résus, on est perdu. Putain. Ah, magnifique. Ah, ça te fait rire, la poudre de Bamako, hein. La poterne de Fistion, hein. Fait rire, hein. Bon, bah, du coup, on va aller renforcer les Michel, là-bas. Comment c'est fat des charges de cave? C'est vrai que... Non, mais Attila, sur beaucoup d'aspects, je trouve, en termes de collision, en termes de... Regardez, c'est aucun sens, quoi. C'est moche. Désolé, mais ça, c'est moche. Ah ouais, quand vous jouez à des Total War plus vieux, vous voyez qu'il y a des choses qui ont régressé en fait. Il y a des choses qui ont régressé. Il y en a d'autres qui se sont améliorées, attention, hein, visuellement le jeu est superbe en termes de grand jeu, mais dans le détail, dans les collisions, dans la balistique, le jeu, les Total War, ils ont régressé. Ça va, ils compensent avec la magie, hein. Ils compensent avec la magie, voilà. Ouais, Napoléon et Empire sont des... sont de très bons totalement, je pense. Et encore, malheureusement, Empire n'a pas été fini. C'est ça, imaginez si Empire avait été fini par Creative Assembly, qu'ils avaient vraiment fini le jeu, quel jeu ça aurait été, quoi. Il y a des bonnes mécaniques de campagne comme les Hardware, absolument. Ah oui, je pense qu'Attila est un bon jeu. Attila est un bon jeu, mais le fait que ce soit un bon jeu ne veut pas dire qu'il n'y a pas des tares, tu vois. Mais je te mets au défi de trouver un Total War qui n'a pas de tares. Je crache à chaque fois à ça, malheureusement. Le jeu n'a pas été fini, a été bâclé. Alors qu'il avait le potentiel. Quand vous voyez les batailles navales d'Empire,
Vous vous dites, mais putain, quoi. Comment ils ont pu perdre ça? Oh là là, regardez Rezus qui vient au carton. Ben, Rezus des Equites, ils ont fait 540 kills, hein, quand même. Hein. Pas mal, hein, rentable. Hein. Ah, ici, ça grignote. Hein. Bon, il y a des épéistes et tout. Oh, t'as des épéistes légers T3, Rezus. Mais ça, on va quoi, ouais. Leur attaque au cac est merdique. C'est vraiment merde. Ah oui, les embacticides. Les embacticides, non, mais ils servent à quoi? Et il me dit que c'est du T3. Ouais, moi je sais pas. T3 de garnison, peut-être. Ils ont pas de charge, pas d'attaque de mêlée. Ah, ils ont un bouclier en osier. Et ils ont un moral pas dégueu. Mais à part ça, ils servent à rien. Ils ont une charge frénétique. Mais ouais. Une charge frénétique, voilà, bon. Ils ont une charge frénétique. J'y crois pas au Empire 2 et tout ça. Je pense qu'ils savent plus faire de tels jeux. C'est l'équivalent des Orc Defender, je pense. Hein. Je pense que c'est l'équivalent en effet des Orc Defender. Ça, tu commences fort la session, Rezus, quand même. Hein. Une hein énorme bataille dès le début. Une bonne bataille bien merdique. Ah, et c'est pas de la merde qui est en face, hein. Y a des bons hacheurs, hein, les hacheurs T3 là. Putain, 36 d'attaque de mêlée, 25 de def, 48 de bonus de charge, plus de 100 de morale, ils sont super déter, hein. Les Oxbrander là, ouais, les. Ouais, c'est ça, les Dubuta Oxbrander. Ouais, mais ça doit être le mec qui sait, ça doit être le général niveau 9. Qui doit donner plein de morale en plus et tout. Ah, peut-être, ouais. Plus les bonus en bataille de base. Total War 3, bah tu sais, Total War 3, les gens y ont joué parce qu'il était gratuit. Hein. C'est le problème, c'est qu'ils ont pas compris avec Pharaoh, c'est qu'ils ont dit, ah bah regarde, Total War 3, il y avait 20 000 personnes qui y jouaient. Ouais, mais il y avait 20 000 personnes qui y jouaient parce qu'il était gratuit le jeu. Et au final, bah c'est un peu de la merde. Et puis ils ont fait Pharaoh. Voilà. Il était à 13€, mais bien sûr. Mais personne l'a acheté. C'est même pas que c'est un mauvais jeu, c'est que les gens ne sont pas intéressés par ça. Et ça, c'est un problème de Creative Assembly, je pense, un problème très moderne. C'est qu'ils sont totalement déconnectés de ce que veulent leur public. Et ils se disent, allez, on va faire un jeu sur l'âge de bronze. Ouais, mais si tout le monde s'en fout de l'âge de bronze, la personne va acheter. Voilà. Toi, Rezus, tu l'as pas acheté, on te l'a filé, je pense. Oui. Voilà. Trajan 70, merci pour ton sub, mec, merci beaucoup. Mais est-ce que tu l'aurais acheté, Rezus? Je sais pas, en promo peut-être. En promo, ouais, à 10 balles quoi. Tu sais, à 10, 20 balles. Tu l'aurais pas pris à 70 boules comme il était à sa sortie? Non, non. Ah, logique. Hein. Allez, toi, éloigne-toi. Que je puisse faire ma charge tranquille dans le dos. Rezus qui recomplète ses caves. Bon, t'as perdu une cave, je crois. Les go ont fui. Oui. Ouais, les go, on mis les voiles. Ouais, les deuxièmes avaient fui aussi, mais ils sont regroupés. Mais ils sont shaken, quoi. Ouais, mais 3 étaient gratuits parce que c'est l'Epic Game Store qui paye Creative Assembly, qui paye très cher. Donc c'est le moyen de faire du cash flow à très très court terme, en fait. De mettre un jeu gratuit sur l'Epic Game Store. Donc ils se sont fait beaucoup d'argent, mais ils ont totalement loupé le fait que tout le monde s'en foutait de cette période et qu'il fallait peut-être pas continuer à sur l'âge de bronze. Comme je dis, je me demande s'il y a des gens qui pensent à Creative Assembly en termes de compréhension du marché, de ce que veulent les joueurs et de comment un produit fonctionne. Je me demande. Oh, Rezus qui attaque dans le dos. Typique. Oui, mais Throne of Britannia, tout le monde s'en branle. C'est ce que les gens comprennent pas. Moi, tu me fais un jeu sur les Vikings, parce que c'est un jeu sur les Vikings, tu ne mets pas juste ton Angleterre à la con. Il y a des modes d'Attila où c'est Age of Viking et tu vois véritablement toute la carte de la France, la Scandinavie, l'Irlande, et voilà. Ils ne savent plus de faire. Leurs Total War ne sont pas logiques, sont mal construits en fait. Voilà. Je ne comprends pas qui fait leur jeu en fait.
C'est pensé en, en réduction de coûts surtout, c'est de réutiliser un max et tout. Ouais, d'assets et tout, clairement c'est qu'une histoire de fric. Hein. Alors, on va tenter, on va se mettre en diamant. Three Kingdoms, il a été fait pour le public chinois. Et je crois que j'ai vu CG qui... C'est le plus gros succès, ouais. J'ai vu que CG gueulait parce que le jeu était buggé, n'arrêtait pas de crash et tout. J'étais là, putain, ouais, voilà. Sympa. Hein. Ouais, mais sur Three Kingdoms, ils ont été assez réactifs. Je sais pas, en même temps, moi, ça... c'est pour le public chinois, donc... J'en ai rien à foutre de cette période de la Chine, tu vois. Il y avait des périodes d'ailleurs. Oui, mais en fait, c'était un jeu qui a été fait spécialement pour la Chine au moment où la Chine explosait en jeu vidéo. Ouais, ils ont fait de l'argent, quoi. Et ils avaient prévu d'en faire un deuxième, et au moment où ils ont prévu d'en faire un deuxième, bah, il y a CG, il a dit, bah, c'est finito, les jeux. Eh bah ouais. Les jeux vidéo, ouais, bon. Ok, là, on va. Allez, Résus, tu es presque, là. Bon, il a encore son général, avec 30 unités dedans. C'est le meilleur Total War avec la meilleure diplo et Total War avec la campagne. Ouais, mais bon, si tu veux un jeu où tu fais ta diplo, va jouer à E4, quoi. Généralement, tu joues pas au Total War pour faire de la diplo. Après, c'est vrai qu'il est le plus... Ouais, ça a été fait pour le public chinois. Clairement. Un jeu sur la Chine des Ming, il y a plein de périodes incroyablement plus intéressantes que les trois royaumes. Mais ça a été fait pour le public chinois. Et ça aussi était fait pour la rentabilité, encore une fois, parce qu'ils se sont basés sur le modèle de Warhammer et tout, avec le système de héros. C'était un peu de magie, techniquement, tout ça. C'est excellent, la Chine antique. Peut-être parce que tu connais pas autre chose de la Chine. Désolé, mais... Toute l'histoire de la Chine est passionnante. Hein. Désolé, mais les Yuan remplacés par les Ming, après l'arrivée des Tsing, t'aurais pu faire un Total War incroyable avec des Taiping, du Pike and Shots. T'aurais pu faire du... Surtout que paradoxalement, les Chinois aiment beaucoup, enfin sont passionnés par la dynastie Qing. Hein. Et voilà. Et t'aurais pu faire dynastie Qing, la chute de la dynastie Qing, guerre de l'opium et révolte des Taiping avec du Pike and Shots et des armes modernes. T'aurais pu tout faire en un Total War. Mais non, on va faire les trois Kingdoms et puis les trois Royaumes et puis on va mettre des héros là en duel. Ça fait. Ça plaît au Kiku. Voilà. Mais bon, comme je dis, c'est pour le public chinois, c'est pas pour les Européens. Bon, Résus, tu nous as fini cette bataille, là. Oh, Résus, sacrifie pas ta cave comme ça, laisse... Oh là là, regardez, 752 kills. Qui a encore de l'espoir en CA? Creative Assembly est fini, je pense, en studio. Comme Paradox, c'est des studios qui sont sur le déclin. Mais je pense Paradox, ils essayent un dernier coup de poker avec U5, je pense. Ouais. Enfin, ils continueront d'exister comme studio, mais ils ont peut-être plus l'aura qu'ils avaient avant. Clairement. Pareil, Creative Assembly, Paradox, c'est des studios qui sont sur la descente. Oh, Résus, t'as perdu une cave bêtement. Perds pas tes equities, Résus, hein, parce que... À 800 kills, là... Non, mais les mecs, ils disent oui, nouveau européen, nouveau vouloir chevalier, non. Il y a plein d'époques, d'époques passionnantes, il n'y a pas que les chevaliers, et faut arrêter de vouloir systématiquement blâmer les joueurs histo qui vous disent, qui leur disent que Creative Assembly, ce qu'ils font, c'est de la merde. Je suis désolé, mais oui. Quand tu vois les jeux qui sortent récemment, il y a quand même des soucis. Quoi. Pharao, personne n'en voulait de ce jeu. Il y a plein de jeunes studios qui arrivent, bien sûr. Vous comprenez que le jeu vidéo, il va juste changer, hein. Il y a d'autres studios qui arrivent. Enfin, moi, j'ai la chance de tester plein de jeux indépendants, mais il y a des jeux incroyables, quoi. Donc je me fais pas de soucis pour le jeu vidéo, hein. Par contre, je refuse de filer mes thunes maintenant à des compagnies qui sont sur le déclin et mourantes. Hors de question que je file mes thunes à Paradox, hors de question que je file mes thunes à Creative Assembly. Putain, il se bat encore, hein, le bougre, hein. Et il mange même des unités à Résus, ça! Regardez ça, ça lâche chez Résus, là! Des petites unités. Bon, il a de la réserve. Oh, Sweet Baby Ink, alors ça... Ouais, mais ça, vous savez, toutes ces compagnies-là, elles vont se casser la gueule. Moi, je suis pas mal ce qui se fait dans l'industrie, et je vois les désastres. Désastres après désastres. Et... Vous avez des désastres économiques, là, comme Suicide Squad. Mais... C'est un désastre. Skull and Bones. Je pourrais parler des heures de Skull and Bones.
À 10 ans de développement catastrophique. Et leur jeu est merdique. Leur jeu est merdique. Et tout ça, il faut Ubisoft, pareil, hein, à fouera. Hein. Un quadruple A, les gars. Oh, tes équites, Résus! 800 kills, hein, tu les auras bien rentabilisés. Hein. Non mais ils vont se reformer, c'est sûr. Black Flag, alors moi, Assassin's Creed, je me suis arrêté au 1. Vous voyez, j'ai juste joué au 1 et basta. Mais il a l'air sympa, Black Flag. Black Flag, c'est le meilleur pour moi. Ils avaient juste qu'à prendre Black Flag, faire un multi Black Flag. Ah mais c'était l'idée au début, et après ils se sont perdus dans... Et ils se sont dit non, mais les joueurs ici, nanan, on. Et ils ont cette mauvaise habitude, les studios, certains studios récents, de dire on sait mieux que les joueurs eux-mêmes ce qu'ils veulent. Et à chaque fois ils se plantent. Ils vous font des pharaons, ils vont vous faire un EU5 qui est totalement vide, ils vont vous faire du Skull and Bones. Et ça, c'est l'arrogance des studios aujourd'hui, qui non seulement disent oh les joueurs, vous savez pas ce que vous voulez. Mais on sait mieux que vous ce que vous voulez. Et ça, c'est. Au final, bah, ils font de la merde. Et ils prennent des as financiers dans la tronche. Et c'est bien fait pour leur gueule. Pharao est nul que ça? Non. C'est pas que Pharao est nul. C'est que personne n'en veut de ce jeu. Personne n'a envie de jouer à l'âge de bronze. Avec des bœufs, là, et des chars. Et avoir de l'infanterie mécanisée qui se déplace avec des bœufs. C'est ridicule. Et vous pouvez mettre Starfield aussi dans le lot, hein, dans le genre jeu de merde. Starfield, aucune âme. Hein. La période n'intéresse personne, je l'accorde absolument. Pourtant, c'est une période passionnante, mais quand t'étudies l'archéologie en fait. Mais en termes de jeu, aucun intérêt, ou en tout cas pas comme ils l'ont fait. Fallait une carte plus grande. Je veux dire, vous vous rendez compte, ils nous font un pharaon alors que vous avez Rome 2 DEI. Vous avez Rome 2 DEI à côté? Je veux dire, dans quel monde tu joues à Pharao alors que t'as Rome 2 DEI gratuit, quoi, maintenant? Allez, Résusti est presque. Général, là, qui fait mal. Il se sera bien battu, quoi. Oh là là, les unités de Résusti fuient aussi. Hein. Oh, Résusti, tes équites. Laissez derrière, maintenant. Compliqué, hein. Pas si je fais une dernière charge avec mes équites, ils sont comment? Ils sont shaken, ils sont véritablement. Shaken, ils vont fuir au contact. Ils sont épuisés, shaken, ils ont pris des pertes. Laisse-les, si tu veux pas les perdre, garde-les en réserve. T'as encore de la marge. T'as encore largement de la marge. Par contre, fais gaffe quand même, Résus, il a son général T3 à 100, à 129 et il est pas mal encore. Hein. Et t'as plus de tireur. Par contre, ici, ça va lâcher. Il faut juste que je les nique ici. Et Ouais. en fait, après, Et c'est bon, après, je tu prends pourras te tout. rabattre, tu pourras même l'encercler en passant par en dessous, ouais. Et il est quasiment cuit là, il a plus d'unité. Charge-le à répétition là avec tes HRT2 là Voilà, qui c'est ont bon. un petit bonus à soit 42 charges. Je n'ai pas touché à 3. Oh, mais moi pareil, hein. Vous savez que là, tous les jeux que je joue, Attila, Rome 2, je les ai achetés pour 5 euros, hein, en solde, hein, parce que c'est ce qui valent 10 ans après leur sortie, quoi. Ils se battent bien, tes mecs ici. The men are running. Stand and fight, damn you.
Attila, j'ai acheté 20 euros. Ouais, bah si tu as acheté aujourd'hui 20 euros, c'est une arnaque. Hein. Le jeu vaut plus 20 euros. Un jeu qui a presque 10 ans. C'est sorti quand, Attila, Rezus? C'est du 2015, 2016? Avant? C'est pas du tout, hein, mais. Un jeu qui a 10 ans, ça vaut pas 20 euros. Hein. Voilà. Je bavais devant les trailers de Rome 2, ah ça! Ah ça! Quoi, Pépé, tu ne veux pas acheter Victoria 2 à 40 euros? Putain. Ou Vicky 3, vas-y, c'est à 40 euros là? Ton jeu merdique là, où tu commandes pas tes armées? J'ai joué le mode Vicky 3, ça va. J'ai regardé les streams de Rezus sur Vicky 3, mais qu'est-ce que le jeu est nul! Oh, qu'est-ce que c'est nul! C'est incroyable, hein! C'est tombé bas, Paradox, quand même, hein! Putain! Eh, mais tant qu'il y aura des pigeons pour acheter ce genre de daube, ils continueront de faire de la merde, hein! Ah, on fait des jeux, comment. Pas d'armée, rien! Allez, vas-y, là, tu peux attaquer par en bas. Encercler ça. Catalyst, c'était pas une sacrée purge, mais bien sûr. Mais c'était il y a très longtemps. Hein. Les mentalités dans le jeu vidéo avaient pas encore changé. Et là, là maintenant, moi, je refuse d'acheter un jeu à la sortie. Un jeu Paradox à la sortie. Hors de question. Trop d'abus. Tu peux. En 2024, t'as pas le droit de sortir des jeux qui sont. Totalement buggé, qui crache à la sortie, c'est une honte, surtout quand tu demandes du plein tarif, c'est ça le truc. Quand tu demandes du plein tarif, 60-70 boules, et que ton jeu pue du cul, c'est une honte. T'as Rezus qui nous aura fait une bataille de 50 minutes là, quasiment dès le début. Ça me casse bien les couilles. Hein. Helldiver, jeu incroyable. Malheureusement, j'aimerais avoir un meilleur PC pour pouvoir vraiment profiter de l'expérience à 100%. Le public Madden FIFA, eh ouais. Le public Madden FIFA. C'est quoi Madden? Madden, FIFA, c'est, je connais, alors, ou... Madden, c'est le football américain. Tu vois, FIFA, ah. t'as les droits pour ça. Tu vois, bah, Madden, c'est les droits pour le football américain. Ah, mais ils ont même plus les droits, FIFA. Hein. Non, ils ont plus les droits. Ouais. Madden, c'est. Ils font leur jeu tous les ans et genre, tu sais, je suis ce qu'ils font Madden. Dis-toi qu'ils reprennent juste les assets de l'année précédente à 90% et ils changent 2-3 trucs. Et dis-toi que c'est tellement grossier que là, dans Madden 2024, tu vois, t'allais sur le. Donc, t'as des parties d'entraînement. T'avais encore, donc, dans le Madden 2024, t'avais encore marqué Madden 2023 sur des pancartes dans le jeu. Ils ont même pas changé, les mecs! Et ils te vendent ça à plein tube, 70 boules. C'est honteux quand même. Hein. Ah oui, en Green Joe, je regarde chaque année Madden, c'est une tradition. Et on se régale. On se régale. Mais vous, là, je sais pas si vous suivez un petit peu ce qui se passe, mais le problème de ces gros influenceurs qui ont des millions de vues maintenant, c'est qu'ils commencent à emmerder les développeurs de jeux vidéo. Vous voyez, pareil pour Disney, là Disney commence à taper du poing sur la table et voudrait faire fermer des grosses chaînes sur YouTube qui critiquent leur contenu, alors que leurs contenus sont merdiques. Plutôt que de changer le contenu, on va essayer de faire fermer les gens, les critiques, vous voyez. Je regarde le sol, ça ira peut-être plus vite. Allez Rezus, you can do it. Captain Popcorn ne risque rien. Non, bien sûr que non. Captain Popcorn, c'est un homme sandwich. Les hommes sandwich ne risquent rien. Tous les hommes sandwich qui vendent et qui font la promotion de ça. Allez, tu es presque résolu ça. J'allais sortir mon général et puis je me suis rappelé d'Aragorn. J'ai peut-être pas. Une petite flèche dans le dos, résolu, c'est un accident. Hein. C'est un petit caillou lancé par un frondeur. Oh, allez, il va le faire, Rezus. Il l'a fait. Putain. C'est le jeu, ça aurait pu être moi aussi, avec une énorme bataille. Voilà.
Hop là! Sur un public fidèle, ouais. J'aurais dit un public idiot, idiot et fidèle. Tous les gens qui achètent les FIFA et tous ces jeux à la con de sport. T'as les mêmes avec, avec F1 2024 et tout, hein. Bon, ils étaient quand même. Ils étaient 5. Presque. T'avais du monde, Résus aussi, 5200 quand même, hein. Heureusement que j'avais mis l'armée, je me suis dit, ah, lui va forcément attaquer cette ville. Donc c'était Ségusio qui était sous attaque, c'est ça? Oui. Ah, l'Autobot t'a mis le grappin dessus, pas de bol, là j'ai pas. J'ai pas ma page Twitch d'allumée pour économiser de la ressource de ce jeu pas opti. Ah, le 1. Non, mais le 1, c'est un gentil garçon. Oh, écoute, peut-être qu'il va te payer une visite à l'occasion, Résus. Donc là, Oui, il c'était aura là. le Saxon qui est venu de Lugdunum, de Lyon, Vienna, et qui a Et traversé tout les ça, Alpes ouais. hein, pour venir te casser la figure. C'est ça. C'est à toi ou c'est C'est à à toi, moi? Résus! C'est à toi, figure-toi! C'était l'IA qui t'attaquait! Bah oui, mais pourquoi il veut... Ah, d'accord, parce qu'il y avait un... Ok. Il n'y avait pas un event qui était sorti. Hop. Ok, sur complète. Allez hop, on finit tôt là. Bon, je te la propose pas parce que, bon, Non, voilà, mais... auto-resolve, Résus. Hop, allez, démerde-toi. Vengeance pour Zulzi. Voilà. J'avais un pote à l'université, il avait tout le temps le PC qui tournait pendant ses cours. Il avait tout le temps le PC qui tournait avec Football Manager. Il me montrait quand il prenait ses clubs de 5e division, qu'il amenait en Ligue des Champions, il était extrêmement fier. Tu voyais dans son amphi, il avait tout le temps le PC en train de tourner avec Football Manager derrière, voilà. Le système, l'échec d'un système éducatif. Après, il vaut mieux jouer à ça qu'à Fortnite, hein. Sans aucun doute. Hein. Ok, bon là on va s'en remettre. Ah! Allez, résume ça! Mais je repère de la thune. On va regarder tous mes azans. Ouh, je viens de gagner un slot de bâtiment ici, ça c'est cool! Ça c'est très très cool! Sont tous bains déployés. Champs irrigués, agriculture, état Augusta. A validé la fac, bien sûr qu'il a validé la fac. Quelqu'un de très intelligent, multitasker, n'était pas un problème. Lui, il a la peste, c'est un putain de pesteux. Bah écoute. Il est pilote en Alberta maintenant. Il m'envoie parfois des photos, ce bâtard, où il est avec son hydravion en train de balader des gens. Quel salopard. Ça. Un mec que j'ai connu en Islande. Ça, je voulais de la garder. Bah Bon, Résus, écoute, tu passes ton tour là? c'est Putain, bon, c'est 50 bon. minutes le tour, hein! Attends, il me dit que je suis sur le point d'être en banqueroute. Je vais donc délette. C'est beau l'Islande, non, c'est moche. Putain. Question Pour ça qu'il a fait coordonnée. visiter. J'aurais pu me faire un bouffer en fait pendant que Résus faisait sa game, là je me serais fait des frites. Petite frite là. Alors ça, faction détruite. Bon, est-ce qu'on. Ouais, on fait chier, lui. Il veut vraiment pas faire la paix avec moi là. Le diocèse Hispania là. You are welcome, Ah, il veut pas. but Hein. that welcome can Je become a sais pas pourquoi il veut farewell pas, if mais you il waste veut my pas. time. Il me déteste. Il me déteste.
Bon, pas, c'est pas grave, hein. Le problème, c'est que l'autre, là, il est en train de me préparer une rébellion. Il est en train de me préparer une rébellion à force, là. Emerita Augusta. Est-ce que les dikes, c'est pour les champs? Field? Je pourrais éventuellement mettre. Non, j'ai déjà une chapelle. Town Center. Un grenier pourrait être intéressant. Le grenier pourrait être intéressant. Hein. 6 irrigations. Ouais, ouais. Je vais me permettre ici de faire péter un grenier. Run away. Voilà. Et. Est-ce que je ferai pas la guerre? Résus, de toute façon, il va pas avoir le choix. Il va devoir la mettre en auto-battle. Parce que je l'emmerde. Allez hop. Comme ça. Your next command. Comme ça. Bon, Résus, hein, là. Ah, il a fui. Le lâche. Comme ça. Comme ça. Et là, normalement, il y a tout. Bon, Résus, on voit là, tout en direct. Hein, là, auto-resolve, assaut. Hop. Agressif. Je suis vainqueur à. Voilà. Hop, Afuera. Voilà. Combien de pertes il m'a fait? Ça va. Hop. Parfait. Et est-ce que maintenant, il serait pas enclin à faire la paix avec moi? S'il y a, on lui pète son armée, Résus, après, elle va peut-être commencer à réfléchir. You are welcome. Oui, oh, après, bon... Non, il veut toujours pas. Il me déteste. Il me déteste. Hein. Square IRL. Hein. On va venir là, comme ça. Je sais pas pourquoi ici, la ville... Dévastation, bah ouais, la dévastation, forcément... La dévastation, c'est pour ça. Bon, ça devrait se calmer, normalement, la dévastation. Et ici, on est pas mal. Et ici, on est pas mal non plus. Mais c'est que j'ai de l'argent, bordel de merde. Tout vaut de l'argent, résous ça. Bon, là, je fais 16 000 de thunes. Oh là 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 là, on se régale. Bon, là, je troll, et puis après, tout à l'heure, je serai en train de chialer. Au niveau bouffe, on en est où, cette province? Cours, on est large au niveau bouffe, c'est parti. Voilà. Résus, à toi de jouer. Ah non, attends, j'ai pris des skills. Je sais pas quitter, toi. Et dans le doute. De l'intégrité. Voilà. Voilà. L'affront que m'a fait Résus a été lavé dans le sang. J'ai dégagé l'armée. Ouh, trade agreement. Non, je veux pas, toi. T'es le suivant sur la liste. Et avec tout ça, j'ai pas mis de musique de fond. Après, ta bataille épique et glorieuse, Résus, en terrain ouvert, je pense que t'avais que ça à foutre. Je vais leur mettre une musique pour dormir. T'inquiète pas, ils ont vu ta bataille, Résus, hein. Ils ont pas besoin de musique. Hein. On veut voir Pépé roter du sang. Non, mais ça va. Ça va, non? Là, j'ai fait une belle bataille, hein. On les a éclatés, hein. Deux stacks entiers. Non, mais t'es sérieux? Non, mais il va m'attaquer, mais c'est pas possible! Oui! Est-ce que j'ai mes deux armées? J'ai même pas mes deux armées. N'oublie pas que des fois, les armées, quand elles retreatent, elles retreatent n'importe comment. Hein. Alors, tu sais quoi, Résus? Je vais mettre mon Joker. Ah. Et je vais faire la bataille. Je vais faire la bataille contre l'IA. Ah, on sera tous les deux en souffrance après, ce qui voilà. Arrivera. Joker, Résus, je t'interdis de jouer. Tu vas spectate. Ah oui, t'as beaucoup de caves, hein. Eh. Petit vandale qui joue sur la cave, là. Ah, des archers de cave aussi, petite salope. Putain. C'est quoi le nom du stream de Résus? Mundus Bellicus. Mundus Bellicus. Tu streams Résus? Le monde en guerre. Ah oui, tu streams Résus, vu que t'as dit que... Résus peut jouer une OTK? Bah bien sûr que non, et puis quoi encore? Il serait capable de les faire se rendre. Oh, non, ah c'est mais... bon, normalement ça devrait moins laguer parce qu'il y a du brouillard. Ouais non, mais y en a marre des... Mais tu sais que même des mecs qui ont des PC de la NASA, ils laguent sur le jeu, donc... Oui, le jeu a été particulièrement mal opti depuis le début. J'ai pas accès à toutes mes unités là, je peux pas voir où sont mes unités. Oui, mon... Ah non, comme ça. Voilà, merci. Hop, 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 hop. Faire comme ça.
Je vais prendre ma cave spécialisée. C'est lesquels eux? Ouais, voilà. Comme ça. Alors là, j'ai... Bien vu Azat. J'ai une armée plutôt agressive. Voilà. On va venir protéger les flancs. Ouais, je veux pas que Résus vienne se mêler de mes petites affaires là. Hop là. Bah oui, ça. Oh, mon général qui va aller là aussi. Parfait. Voilà le genre de compo d'armée que j'aime bien avec le Vandal. C'est quand même très très agressif. Voilà. Reinforcements. More for us to kill. Oula, on va peut-être pas trop avancer comme tout de suite. C'est quoi ça? Medium, ok, T1. On va venir attaquer ces généraux. Son armée, elle arrive par derrière. Bah écoutez, on va pousser. Hein. On va... Oh non, mais c'est pas... Putain. Merci Pépé de m'avoir donné ces unités en cadeau. Mais où elles vont? Oh non, j'ai fait un misclick. Bon, Résus. Résus, tu t'occupes des... tu peux t'occuper de la cavalerie? Tu tires sur la cave avec les... Je peux te les redonner sinon, je crois. Non, gère-les, tiens, voilà. Gère-les, Résus, ton boulot. Oh mais j'ai tout donné à Résus. Je me suis trompé de bouton, putain. Bon, t'as toute mon infanterie, Résus, t'as pas intérêt à faire de la merde, là. Redonne-moi, Résus, le... Voilà. Je te laisse là. Ah ouais, non, mais il faut pas appuyer sur ce bouton, mais quel enfer. Je veux le bouton de formation, moi. Putain. Fais gaffe, Résus, ça arrive. Oh, Résus, mais qu'est-ce que tu fais? Putain. Quel bon à rien. Et il fuit. Putain, Résus, c'était ton seul boulot, c'était ça. Résus qui me sabote, hein. Vous êtes tous témoins, hein. Désolé, j'ai eu un petit truc IRL. Non, ah, putain, mais... Non, mais c'est bon, je gère en même temps. Mais... Oui, je me suis juste... juste mis en fuite. Que... Bah, ils tirent les mecs, quand même. Oui, pas de la gueule. Regarde, vu... regarde, ça tire, ça tire. J'ai perdu 60 mecs dans une unité, tu vois. Le mec, oh, j'ai un truc IRL, il me rend pas le commandement, tu sais. Incroyable. On peut pas faire confiance à Résus, hein. Après, c'est de ma faute, hein. J'aurais jamais dû lui laisser le commandement de ça. Hein. Mais voilà, c'est Mundus Bellicus, hein. C'est ce genre de mentalité, hein. Mais putain. Incompétent à souhait. Vous pouvez pas leur faire confiance. Bon, Résus, je te laisse harceler avec la cave. T'avises pas de perdre mes cavaliers. T'as oublié une cave ici, d'ailleurs. T'inquiète. Je gère. Bon là, on va pouvoir attaquer. Son sandwiched là, la cave. Aucune réserve, va falloir faire du DPS. Yeah.
général. Allez, la charge dans le dos. Et les mecs, ils sont 3, ils sont toujours là. Allez, ça panique. Oh, j'ai pas attaqué, c'est une blague. Allez, là, mes hacheurs ont fait le boulot. Au choc. Superbe. Oh, Résus qui m'a fait le coup du truc IRL. Alors qu'il commande une partie de mon armée. Ça, je l'oublierai pas. Incroyable. Hein. Allez, viens couvrir. Rien perdu, ça va. J'ai perdu 60 cavaliers à cause de tes conneries, Résus. Ouais, mais il n'y avait pas le mode de Carmouche activé et tout. Oui, bah c'était ton job, ça, non? Je pensais que tu l'avais activé de base. That was your only job. C'est encore vivant, Mundus, mais bien sûr. Grâce à des gars comme Résus. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Ville Coyote. Oui, mais je sais pas. C'est moins intéressant que la magnifique bataille de Résus. Arrête! T'as vu un peu le move que j'ai fait avec mes hacheurs? Bon, au moins c'est dynamique, hein. Bon, après le pauvre Résus, voilà. Il avait une bataille bien merdique à faire. S'il avait pu s'en passer, il s'en serait passé, hein. Oui. Bon, on a bien dominé l'IA. Ça s'est bien passé la bataille. Dis à tes mecs d'arrêter de tirer, Résus, là. Tu vas faire du friendly fire. Allez, on va capturer tout ça. Voilà. Allez. Je vais peut-être pouvoir contre-attaquer et aller attaquer une de ces villes à l'autre là. Vu ce qu'on lui met dans le pif là. Je pensais pas que je la gagnerais aussi facilement cette bataille. Bah le problème c'est que les forums en 2000 les forums en 2024 c'est plus trop ce qui se fait en fait. Les forums c'était plus 2010 vous voyez. 2010-2015 l'âge d'or des forums. Voilà! Victoire décisive! Merci Résus pour ta glorieuse coopération! Finalement, on a perdu que 360. Hey, ils étaient nombreux là! Ils étaient 3500, hein! On les a éclatés, hein! C'est une chouette petite compo de choc que j'ai là! Hein. Et ouais, 204 kills, 205 kills! Oh, Résus qui a fait 146 kills avec une unité d'archer! Même mes HE ont fait le boulot! Allez, on va reprendre, on va recléter les pertes. Voilà. Allez, casse-toi. Le diocèse Hispanica. Et j'ai fait ça avec une seule armée. Hein. J'avais la deuxième à côté. Hein. Alors, je vais avoir une rébellion, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que tu racontes, Hector? J'ai une seule unité qui a fait 150. Les 4 n'ont pas fait 150. Ah ouais, j'ai trop de dévastation sur cette province, c'est l'enfer. Unpopulas, pas unhappy populace. Un général stupide et spurn, je sais pas ce que c'est en anglais, mais... Ah merde, Carthago Nova, il faut que je me débarrasse de la taverne. Il faut que je me débarrasse de la taverne. C'est plus possible. Heureusement que j'étais pour mettre du suspense. Écoutez, au moins mes batailles ne durent pas 50 minutes. Hein. Cladeur. Ouais. Surprise. Voilà. Alors, Super Go, qu'est-ce qu'il voit? Résus qui m'a trahi. Le coup du on m'a fait un truc IRL. Je connais. Hein. J'avais besoin d'un slot d'alliance IRL. J'ai besoin d'un slot d'alliance IRL. Alors, on va inspirer la populace dans la religion. Qu'est-ce que ça, je pense. Ah, si, religion. Ok, on est pas mal. Ici, j'ai des problèmes de bouffe, mais on va essayer de remédier à ces soucis le plus rapidement possible. Putain. J'ai besoin de thunes. Eh, Résus, je fais 17 000 de thunes. Ça te fait pas... Non, mais c'est indécent.
Tu veux un emprunt, Résus? Un emprunt, un prêt, un truc Cofidis là, à 20% là. Un petit prêt à la consommation. Hein. A l'air bien, ouais. Ou alors, Résus, tu peux hypothéquer la Corse. Tu me donnes la Corse en échange. Je te file un tour d'income là, 15 000 de thunes. Ça serait pas mal, 15 000 de thunes. T'inquiète, t'inquiète. Encore une bataille, non, beaucoup de Résus. Résus qui passe à l'attaque en Gaule, auto-resolve, démerde-toi. Les batailles à 90%, c'est bon. Oh, 110 pertes. Et Résus qui s'empare de Vienna. Je crois que tu veux casser la gueule du Saxon, c'est ça? 15 minutes, ça peut être facile en vrai, Mais ouais. il m'attaque, hein, bon, mon pire contre-attaque, hein. Eh ouais, ouais c'est logique. D'ailleurs, à propos de contre-attaquer. Hop, upkeep cost en moins, c'est toujours ça de prix aux Habsbourg. Normalement, en ayant pris Vienne, il va pas prendre, il peut pas attaquer ses Gouzios. Enfin, si il peut, mais il le fera pas. Je voudrais bien stabiliser un petit peu ici. Micheline a gagné un level. Elle a je sais pas combien d'étoiles là, on en a 50. Okay, un tour, 10 tours, 7 tours, 8 tours. Et 2 tours pour Gênes et 3 pour Ségusio. Et après je pourrais partir plus sereinement. Et après, tu pourras peut-être passer ton tour. Oui, mais attends, j'allais le passer, mais il y a un gouverneur de merde qu'il faut Ah, mettre. t'as pris du grade là. Bah non, Lui là. il faut un nouveau gouverneur dans la vallée du Rhône. Oui. Hop, hop, T'as on va moins. mettre les 10 billets, les bini, celui-là. Moins 55 de. Je sais pas pourquoi ils J'ai sont. les yeux de go qui se déplacent. Voilà. Pourquoi ils sont aussi mécontents, putain. Instabilité, bah ouais, instabilité. Mais comment on fait pour descendre l'instabilité? C'est dû au fait que, ouais, on se bat sur la province. Rébellion imminente, bah ouais, mais bon. Je fais ce que je peux là aussi. Allez, toi, casse-toi. Voilà, hop, offensif. Ouais, je dégage la racaille là parce que c'est plus possible. Voilà. Parfait, je vais aussi aller nettoyer lui là. Ouais, casse-toi. Je vais avoir une rébellion malheureusement. Je vais avoir une rébellion. Je vais avoir une rébellion, c'est fort dommage. Mais on va continuer à investir. Voilà, on investit fort. Très très fort. Excellent. For the tribe. On va immédiatement se mettre en route. Là, je vais avoir une rébellion. Très prochainement. Ah ouais, je vais avoir une rébellion. Ok. À toi de jouer, Résus. Ah merde. Ouais, bah, voilà ma fameuse rébellion. Par contre, j'avais un espion, mais je crois qu'il est mort, mon espion. C'est chier, ça. C'est un sketch. C'est toi qui m'as tué mon espion, Résus? Non, j'ai pas tué ton espion. Par contre, là, je suis face à un sketch pas très drôle. Ah, c'est les autres IA qui y arrivent? Ouais, je vais pas faire la bataille. En vrai, je pourrais leur faire des pertes, mais. Allez, auto-resolve. Ouh, Résus, ça. Fais chier. Attends, mais t'es. Ah ouais! Ils attaquent mon point faible. Ah, mais c'est le mec qui a derrière, il y a le mec avec 50 étoiles là. Auto-resolve, résolve, V1, on Ouais, j'ai le. mis auto-resolve, hein, Ouais, bon, écoute. bah écoute, on va laisser l'IA, j'ai pas envie de faire ce genre de Mais il bataille, est mais. pesteux en plus, il prend la ville, il va foutre la peste et tout dedans. Résus qui perd une ville! C'est quoi, c'est Aquilia? Non, Véron. Ouais, oui, ouais, ça doit être ça. Aquilia, ouais. Oh là là là, Prends pas la ville. Résus qui s'est fait attaquer Bravo. sur son flanc faible. Ah oui. Heureusement que les IA sont connes dans le jeu et prennent pas les villes. Hein.
Mais Attila, je t'avais expliqué que c'était scripté pour. C'est un jeu voilà, d'horreur, de. Il va falloir que tu ramènes ton. Utopie et tout. Mais j'ai une armée, mais disons que c'est l'armée de mon roi, mais c'est une armée qui fait de la garde civile, quoi. C'est... Ah bah maintenant, elle va aller où elle va faire de la vraie guerre, Résus. Ça va être compliqué, je crois. Résus, il a pas fait assez la guerre depuis le début. Moi, maintenant, j'ai des bonnes armées de choc avec de la cave et tout. Résus, il pense qu'il peut encore faire de la pacification. Comme moi avec mes Cléodos T1 que j'ai depuis le début. Oh Fléba! Comment tu vas, brigand? Encore? C'est des révoltes. Ok, bah vas-y, nettoie-les. C'est en Corse, à France? Oui. Oh François! C'est chaud! Ah oui. Ah oui, Ajax pour Ajaccio, d'accord, je viens de comprendre. Ah, il m'aime vraiment pas Ajax, hein. Ah bah, en même temps, voilà, hein. Je cherche la merde, hein. Attends, mais j'ai pas cassé mon Castum Limitum, non, j'ai pas cassé mon... À Obispo, j'ai pas cassé mon Castellum Limitum, ce qui me fait que ça me fait une énorme garnison en def. Ici, je l'ai dégagé, je pourrais éventuellement... Oh, par contre, s'il rase la ville après, je m'ouvre les veines. Oh, ça serait incroyable, Résus, hein, qui rase la ville. Oh, hein. 3 bâtiments T3 plus 1 T4. Oh. Là, Résus, il a d'autres problèmes que moi. Hein. T'inquiète pas. Oh, je vais le retrouver, toute sa famille, je vais la zigouiller. Il est balèze, le Marc Amanos, là. T'as vu ça, ouais. le nombre de villes qu'il a? Et lui, je suis pas en guerre contre lui, je crois. Non, moi je suis en guerre contre lui. Il y a des Danois qui sont descendus jusqu'en Bavière, et ils s'y sont installés. Hein. Ah oui! L'espèce de cèdre dégueulasse avec l'arbre. Oh. Les Gotos. Eh ben Nick, hein, on va dire. Ça, c'est parce que je n'ai pas assez étudié mon arbre généalogique. Ouais, je pense, c'est un t'aurais dû plus potasser. Le jeu te punit. Bon, là, je vais me débarrasser. Ah, j'ai un mec qui a un skill gouverneur. Voilà. Il y a beaucoup de choses que je voudrais faire là, mais. Je peux pas trop. Rébellion, bah ouais, forcément. Ok, tant pis. Je vois que là, on va faire ça tout de suite. Ce sera fait. Je vais me débarrasser de lui. Allez. Toi, ça suffit. La musique pique un peu. Ouais, bah, je sais pas, j'ai mis un truc au pif. Je vais rechanger. Attends, il y a une bataille. Oui, c'est des rebelles à la cour, hein. on s'en débarrasse. Voilà. On fait un peu de ménage. Et là, j'ai très très envie d'aller. Voilà. Hop. Zut, j'ai peut-être été un petit peu gourmand, mais on verra bien. Au moins, ma ville ici, elle est tranquille. Et je vais pouvoir continuer à investir. Au niveau bouffe, ça donne quoi? Ah ouais, je vais me calmer un peu au niveau bouffe quand même. Et ici, je vais continuer à casser. Hop, voilà. Oh, j'ai toujours mon armée de Clodo ici. Ils sont incroyables. Hein. Qu'est-ce qu'on les aime. Voilà. Oh, le scare jump! Putain! Merci François! Je me suis fait avoir à chaque fois. Et là, je vais avoir largement assez de bouffe. On fait péter les Civitas. Oh, les investissements que je fais là. Et là, j'ai peur qu'ils m'attaquent. On va bien voir. On va rester tranquillement en dev. Combien de temps? 9 tours. Et quand j'aurai les deux armées. Peut-être que. Hop, puis on va. On va attendre l'armée supplémentaire. Tu comptes reprendre pas pour le moment. Carthage, c'est mon allié en fait. Et il est particulièrement balèze. J'arrive, Résus. Hein. Je. Hop, je mets. T'inquiète. Voilà.
Oh, j'espère que l'IA est con. Non, mais je pense qu'elle est con, elle va pas aller se suicider non, sur non. moi. Non, non, si la garnison a déjà ripop un peu, il va pas le faire. Mais si non, mais parce que j'ai une armée à côté, en fait, et avec une armée dans une ville, je me dis peut-être que si elle est con... Mais... Carthage, il a 3 stacks plus une garnison. Et monoprovince, je crois. Oui, oui, mais avec 3 énormes stacks, ouais. Résus, tu vois. Et ouais. Moi, mon armée à côté, c'est mes clodos, barbares, rebelles, ouais. Que j'ai depuis le début. Tu sais, tu te rappelles les mecs, Résus, là, les légers pourris. Ils sont toujours là. Ouais. C'est eux qui ont conquis l'Afrique. voilà. Une bande de giga tchad à ne surtout pas sous-estimer. Pas de l'agression. Non. Ouais, mon Africa Corps, écoute, elle a conquis l'Afrique, hein. 4 provinces quand même, hein. Avec du T1 dégueulasse, hein. Aïe, c'est ce que j'avais peur. Et merde. Ok, je vais m'en plier. Fall back! Par contre, s'il m'attaque... Non. Parfait, il m'attaque pas. Je vais pouvoir ramener mes 2 stacks. Et là, ça va pas être la même. Ah oui, je peux pas tolérer ce mec dans mon dos, là. Il arrête pas de... Le goutteau, c'est enterré. Je sais pas si c'est une bonne nouvelle. Il coûte cher, mais ça va. Les investissements que j'ai fait sont en train de bien me faire avancer. Au niveau bouffe, on est bien, sauf à Carthago. Là, il va vraiment falloir que j'améliore ça. C'est pour ça que je vire mon meeting hall. Je vais accepter de perdre de l'argent. Oh, Arvol, qui fait péter le seum. Merci, mec. Et je vais mettre de la bouffe à la place. Tout ça pour ça. Si seulement on pouvait amener de la bouffe d'une province. Ah, bon, bah, je te la propose. Car ce sont les règles, mais... Ouais, non, non... Ça va, j'ai réussi à magouiller, à les séparer. Voilà, débarrasse-toi de lui. Les batailles à 90%, c'est bon, hein. J'ai pas envie de faire jouer ça. On a déjà assez perdu de temps sur la bataille. Ah, je peux, là. J'y retourne. Oh, je te repropose. Ouais, non, c'est encore de la merde. J'ai pas envie de... Régale-toi de sa chair, Résus. Régale-toi de sa chair. Fais-toi plaisir. Après ce qu'il m'a fait bouffer, ce con. Oh, il t'a juste saccagé une ville, il l'a même pas prise. C'est honteux. Comment ça se fait que t'es pas de thunes, Résus, avec tes. Vu tout ce que t'as, là, t'es quand même trop. Mais j'ai dit, en fait, j'ai plein de grosses villes, etc. Ça coûte super cher. Plus des armées qui coûtent cher. Ouais, c'est vrai que j'ai vu que t'avais des belles troupes. J'ai un général, il est consanguin, quoi. Il est in the family. Ah bah voilà, les Gogols, ils ont perdu une ville. Ah, tu savais que l'Empire romain existe encore d'Occident? Mais non, on l'a pas tué. Il vient de ressusciter en Bavière. Ah oui, la tache rouge là. À Augusta ou Widdelico rouge, parce que c'est comme ville aujourd'hui. Mais... Qu'est-ce que c'est que cette merde? Il a dû avoir des rebelles et ça approque ça dans le truc des rebelles. Eh ouais, parce qu'il y a toujours des rebelles de l'Empire romain d'Occident. Hein. Il y en a. Moi, il y en a en Espagne, les Baléares, et tout ça. Hein. Là, je peux pas prendre ça. Ah, parce qu'il faut ça. Ok. Est-ce que je lèverai pas des mercenaires ici pour faire bon effet? Je pense que si. Je vais lever des mercos. On les ferraillera après s'il faut. Ok. Normalement ça se répare tout seul, mais si on peut réparer quelque chose qui rapporte de l'argent. C'était n'importe quoi ça dans ce run sur Romain avec les. Je laissais la ville rebelle et ça se repopait, c'est n'importe quoi. Eh Romain, les bonnes vieilles mécaniques de Romain. Hop. Et un petit tour vite fait là en diplo, tout le monde me déteste. Oui. Mais les villes T4, les municipiums, 2000 de maintenance, au secours, 20 000 de thunes.
Par contre, ça met des murs. Ça, c'est cool. Ouais, les Munikipium niveau 4, là. Ouais, mais ça coûte cher. Hein. Faut les sortir, les 20 000 de tubes. La ville principale, c'est 32 tours de développement. 32, putain. Au secours. Au secours. Bon, ici, je vais pouvoir repasser à l'attaque. Mais passer où ton income, t'as pas tellement d'armées, bêche. Oui. Je vais lever des mercenaires. Regarde, cette troupe-là, elle me coûte 325 d'entretien. Tu la multiplies par une bonne dizaine. Celle-ci c'est 350, tu vois, c'est pareil, hein. 240. Là, l'Equites il me coûte 470. Pourquoi tu ne peux pas upgrade Carthago Nova? J'ai pas l'argent, pardon, j'ai pas la bouffe. Si tu regardes en bas à gauche, j'ai que 24 de bouffe à la belle saison et je suis en négatif à la mauvaise saison. Si je veux upgrader, ça va me coûter 40 de bouffe que je n'ai pas. C'est pour ça que je suis en train de casser le bâtiment ici pour mettre de la bouffe à la place. Voilà. Bon, est-ce que. Merci, shot. Ici, je vais devoir continuer à faire le siège. Peut-être que s'il m'attaque au tour d'après, t'auras une bataille intéressante, Résus, mais je pense même pas. Light Battering Ram. Ah, tu vas récupérer la mine d'or, ça va te mettre bien, ça. Ouais, parce que c'était pas mon objectif, mais il me fait chier, en fait. Il me fait vraiment chier, et il faut que je tape du poing un peu sur la table, parce que sinon, il va continuer à marceler continuellement. Et ici on est bon, ça évolue. Césarée, au niveau bouffe, sans de bouffe, on pourrait passer. Ouh, Métropolis, le T4, 3000 de maintenance, 32 tours, c'est ça dont tu me parlais, Résus. La métropole, ça fait, pour le moment, ça fait un petit peu cher pour moi. On va pas se le cacher. On est, ça coûte cher. Ça coûte cher. On va mettre un peu de, on va se calmer et on va passer le tour. Maintenant, est-ce qu'il va m'attaquer, vous pensez? Est-ce qu'il tente une sortie à Bracar? J'ai deux stacks, deux belles armées. L'IA a l'air d'être vachement confiante. Oh, Résus encore! Putain, Résus, il fait des expéditions, là, punitives. C'est lui qui m'attaque, il reprend la ville que j'ai prise avant. Ah, merde! S'il sort, il perd. Bon, en tout cas, à l'attaque, j'étais donné largement perdant. Victoire décisive. Ah, c'est lui qui a attaqué. Oui. Attends, mais c'est le franc. Tout à l'heure, c'est le... Oh, il l'a saqué. Oh. Bon, voilà, Résus, il rigolait pas, je crois. Je crois que... Ok. Bon. Ouais, après, c'est une ville que j'avais récupérée qui était niveau 1, donc... Ouais, mais bon. En fait, ça faisait un bon tampon avec... pour l'Italie, tu vois. Que t'es plus à te battre dans l'Italie, tu vois le truc. Ouais, ça faisait un centre. Ah, bah mon vassal. Ah non, c'est pas mon vassal, c'est mon allié qui était parti en Espagne, je sais pas pourquoi. Comment ça, il était parti en Espagne, Résus? Bah j'ai un allié qui était parti en Espagne, je sais pas pourquoi, et il s'est fait attaquer, j'ai réussi à le sauver tout à l'heure. Et là, il revient et il est en train d'assiéger Lyon, de ce que j'ai vu. Ah, tu n'as pas d'engin de siège de construit. Ok, donc au tour d'après, Warrior, ça va passer crème, c'est ça? Bon, si je suis à 90%, Résus, il ne la fera pas, hein. Ah, ça dépend, hein. Oh, Résus. Petite fortification. Résus, ça. C'est vrai qu'il y a des murs et tout, hein. J'ai mieux compte de saigner la ville quelques tours. On n'est pas à 4-5. Moi, j'ai attendu, j'ai plusieurs villes comme ça, j'ai attendu quelques tours. C'est clair que tu veux pas faire la bataille si c'est trop défensif. En ta faveur, oui, mais Résus peut la jouer. Résus a le droit de la jouer. Ah, pas mal d'abeilles ont... Des abeilles en or ont été retrouvées dans la tombe du père de commissaire, intéressant. J'ai jamais eu autant d'argent dans les caisses. Hein. On n'a jamais été aussi riche, Résus. Hein. J'ai 54 000 dans les caisses, Résus. Moi, j'ai jamais été aussi pauvre. J'ai jamais été aussi pauvre. T'as combien, Résus? Tu fais combien, Résus? J'ai moins 300, là. Hein. Ah, merde! Et tu devrais peut-être casser tes municipalités, là. C'est ça qui te coûte trop cher. Hein. Oui, bah oui, bien sûr. Okay, ici, on va faire évoluer la ville. Municipium. Ouais, ma
Bah, la casse, ça serait tentant, mais on va attendre un petit peu. Riche comme Résus. Bah, là, Résus, il est. Son empire coûte cher. Il a peut-être été un peu trop gourmand au début à faire des énormes villes tout de suite. Après, moi, j'ai aussi mon trade qui doit me rapporter beaucoup d'argent. Ouais, je fais 10 000 de thunes en trade. Ce qui est pas dégueulasse. Il y a des 1 là. Il y a des 1 en Autriche. En Autriche? Tu fais combien de thunes avec le commerce, Résus, que je compare? Parce que moi, j'ai beaucoup investi dans mon commerce maritime, vu que j'ai des bonus. Bah ouais, moi j'ai ces connards qui faisaient du commerce qui ont déclaré la guerre. Je sais plus où est-ce que je vois le trade, 11 000. Ah ouais, Résus fait plus de revenus en trade que moi. Donc il dit, putain, c'est impressionnant. 11 000 quand même. C'est propre. Je suis en positif partout, malgré le fait que je n'ai plus d'armée. C'est des bonnes nouvelles. Si on a... C'est con, ça nous rapporterait beaucoup d'argent, du coup. Donc, Résus a dit que les 1 sont vers le Gotos. Oui, et oui, Runum, je sais pas si tu le vois, au-dessus d'Aquilea. Oui, ah oui, d'accord, mais c'est à côté de chez toi, ça, Résus. Oui, peut-être temps de baisser les taxes, ouais, absolument, Belisarius. Je vais baisser les taxes pour favoriser l'ordre public et la croissance. J'ai beaucoup trop d'argent là. On peut se permettre de baisser les taxes. Qu'est-ce que ça donne si on le met comme ça? Ouais, on va laisser. Hop, voilà. Parfait. Parfait. Et là-bas, normalement, on est pas mal. Eh ben même pas, on va attendre. On va attendre. Et on va les croquer à l'usure. 12 tours, putain, qu'est-ce que ça va être long. Néanmoins, la garnison n'aura plus de supply dans 5 tours. Donc ça va. On est plutôt bien. Rien de presse. On peut se permettre ce genre d'excentricité. Et ici. Comment est-ce que je peux... Merde, est-ce que je peux débarquer? Comme ça? Voilà. Ici on est en positif. Ici aussi. Ouais mais là j'ose pas mettre le municipium juste pour une province. Pour une ville et j'ai pas le reste de la province. Ah ouais, ça met des hauts murs quand même. Et ça fait quoi au niveau bouffe? Il me faut 60 de bouffe supplémentaire, je suis à combien? Ouais, mais je suis ricrac même au niveau bouffe, hein. Je suis ricrac, hein, je vais pas le faire, hein. Je vais pas faire une résus à dépenser comme un fou, là. Je vais être quand même un peu prudent, hein. Maintenant, si le 1 pouvait venir visiter Résus, ça m'irait bien. Chacun son tour. Oh, le 1, Résus, qu'est-ce qu'il fait? Ok, bien joué. What I ask is such a little thing. Ah non, an inconsequential thing. Lui, c'est une de mes cibles potentielles, hein. C'est une de mes cibles potentielles. An offer of peace from... Traité de paix alors que tu m'as attaqué non-stop, va te brosser. Ah ouais, c'est quand je mets le siège de ces murs qui commence à être en panique. Les lags car tu passes les pays durant le changement de tour. Ah bah ouais, hein. Attila, hein. À Résus de jouer. Emerita Augusta, 14 000. On en est où au niveau d'un... Fugitive. Très bien en boucle sur la province, on va pouvoir investir dans des bâtiments plus gros. Ouais, je te propose, parce que c'est une ville, mais bon. Oui, mais Résus, les batailles à 90% là...
tous les deaths. Si c'était à 50, tu vois, 50 ou 60, j'aurais pas été contre. Mais non, quoi. Ah oui, Rezus qui parle pas pendant 10 minutes, c'est normal, hein, c'est un streamer. Hein, il a tout à fait compris le sens de divertir son audimat. Hein, Bien sûr. Et là, je vais pouvoir investir dans des farmsteads, ce qui va me permettre de faire évoluer ma capitale avec la musique. Il n'aura jamais d'enfant, lui. Bon, c'est peut-être pas plus mal. Ouais, je sais, Belisarius, je sais. Mais j'ai déjà fort à faire en Espagne. Il y a du beau monde. T'es une monoprovince, toi? Ou t'es... Qui t'es? Qui est Ségusio? Ah oh ouais, oh, la différence entre les villes garnisons barbares et les garnisons... Oh. Oh ouais. Ah, c'est le seul. Alors... Suède qui s'est posé ici. Oh, il va avoir une rébellion, cette espèce de con, là. Et il a une garnison romaine, ok, d'accord. Ça donne quoi, la mine d'or, Résus? T'as un bâtiment minier spécial pour... Oui, je pense. J'ai jamais fait, mais je pense que oui, c'est un bâtiment qui donne de la thune. Ok. Oh bah là, on refuse pas la thune, hein. Mon trésor, j'ai l'impression d'être revenu à l'époque de la conquête de la Gaule, là. Quand je croulais sous les lingots et les... Encore, Résus? Mais c'est pas possible. Résus, il est en World Conquest, là. Il démonte toute la racaille du coin. Et peut-être que le 1 va lui tomber dessus. Hein. Ah ouais, Résus, il part vachement au nord, là. Ouais, j'avais hésité à prendre la ville, mais il y a du bois, donc je la prends. Après, bon. T'as rasté Fistion hier? Oh là là, hier, Fistion, incroyable. Hein. Il nous a refait le coup de la poterne. Il est allé prendre une autre ville. On est le run a été quasiment gagné hier soir. Je pense. Incroyable hier soir. Normalement, il faut la vidéo passer à la censure YouTube. Elle devrait être dispo, j'espère, mardi ou mercredi. Il faut 3-4 jours, ils prennent leur temps, les modos. Les 1 en sont où? Je sais pas ce qu'ils foutent les 1. Résus m'a dit qu'il avait vu des 1 en Autriche, là. Près de pas loin de la ville qu'il vient de prendre. Peut-être qu'à un moment, les 1 vont le couper. Gouverneur provincial. J'ai que mon fils héritier, on va pas le foutre là-bas. Hein. Là, tu fais des sacrées conquêtes, Résus, là, quand même. Hein. Putain. Ouais, ça vaut rien, quand même. Oh, tu peux. Elle est belle, la ville de Massilia, là. Hein. Il y a des amphores et tout. C'est pas mal, hein. Ouais, mais là, elle est ruinée, elle va se révolter. On va mettre du temps, quand même. Ah, il y a le diocèse Galliorum qui vient d'apparaître, je sais pas où. Je l'ai vu tout à l'heure, il est à Besançon. Faut que c'est Besançon. Bon, Résus, je te propose une bataille, mais tu la fais pas, hein. Tu vas voir. Regarde, à 97%, c'est bon. Hop. Elle fait le siège pendant 1000 ans. Même pas. La garnison était déjà morte en arrivant. Allez hop, on occupe pas. Voilà. Bon, on va réparer tout ça. Oh, mais c'était déjà rasé. C'était dans un état lamentable. Oh là 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 là. Alors, on va installer... C'est quoi C'est sûrement... Non. Il va quand même falloir deux, trois sessions, je pense. Au moins deux sessions pour... Il faut que j'aille voir la fertilité dans les Baléares. Oh, ah, c'est de la merde. Ah, c'est vraiment de la merde. T'as vu, toi, en Corse, là? On est à zéro de fertilité dans les Baléares. Et en Corse et en Sardaigne. Ah ouais? Ouais, la matraque de Bamako, attention. Hein. Ah, c'est de la grosse, grosse merde. Ah, c'est pas grave, hein. Il me faut quand même de la bouffe. Hein. Il faut quand même de la bouffe, parce que je voudrais bien faire du commerce, plutôt. C'est mon armée de Clodo qui a fait le boulot. Mes champions. Il y a une carte où on voit la répartition de la bouffe. Les...
Là, pour commencer à la fertilité. Bah, à gauche de la fertilité, t'as un truc food. Ah, où tu vois plus ou moins où tu produis le plus de bouffe, j'imagine. Ah ouais, ok. Voilà, là où je fais le siège, hein, on va attendre. Hein, dans 4 tours, la garnison va commencer à se péter la gueule, on sera bien. Ici. Oh, il y a une carte des religions, incroyable du cul. 200 de bouffe, on est extrêmement bien. On investit l'argent. Et Malaka, on va attendre un petit peu. Il n'y a pas de juifs. Oh, attention quand même, on aura des problèmes. Je vais t'envoyer BHL, tu vas voir. Tu vas adorer. Allez, tour suivant, Résus. Ah non, il me faut moi un nouveau gouverneur. Un nouveau gouverneur provincial. Y a qui d'intéressant? Dignitaire. Le master planner. Non. Oh, dignitaire. Merde. Région Growth. Ouais, là, forcément, ça vient de se faire défoncer le fion. Voilà. Donc, Et là, on va faire péter le développement. Parfait. Maintenant, c'est bon. Une île perdue au milieu de la Méditerranée, c'est pas faux. Hein. Elle était dans quel état la Corse quand tu l'as récupérée? Parce qu'il y avait eu pas mal de rebelles, de destruction et tout. C'était dans ça va, ça allait. Bah, c'était un rebelle organisé, donc ça allait. Ah. C'est juste que bon, il y avait un vieux temple celte pourri là. Il y a pas de système de pop sur Attila. Je crois pas, hein, qu'il y ait de système de pop à la DEI. Non. C'est là où DEI est difficile, c'est que recompléter les troupes, c'est dur en fait quand tu perds des troupes d'élite. Alors que là, dans Attila, recompléter les troupes, quoi qu'il arrive, ça remonte, tu vois. C'est une énorme contrainte logistique en moins. Ah, Résus de jouer. Ça fait combien de temps qu'on joue le chat, là? Ou Résus? J'ai pas mon chrono. Bientôt 2 heures. Ouais, c'est bon. On peut pousser jusqu'à 2 heures, 2 heures et demie. Oh là là, mais regardez Carthage. 3 full stack. La ville, elle est pas dégueu. Non mais Carthage, c'est beau. Hein. Bon, par contre, son Civitas, il est niveau 1. Il a des jetés de pêche dégueulasses. J'avoue que je passerai bien par derrière, mais voilà quoi. C'est vrai que dans ce mode, c'est plus casse-couille de razier une province que de la prendre. Hop, l'arbre généalogique. Ici, je vais pouvoir faire péter. Y'a pas des mecs à faire grimper là de... Ah, Résus, arbre généalogique. Comment vont tes héritiers, Résus? Tout se passe bien. Mais mon héritier glande pas grand-chose. Hein. Ouf, là, je vais prendre un niveau pour le trade ici. Le siège continue de Bracara. Dans 3 tours, il n'y a plus de supply. Bon, la garnison, en 2 tours, elle sera foutue. On prendra la ville. Résus fera pas chier avec une armée à 20%. On va devoir faire la paix maintenant que j'ai répété le fion. Non, toujours pas. Hein. Voyez, Résus, il a fallu que les mecs, je fasse le siège de la ville, tu sais, pour qu'ils se disent, ah, on peut faire la paix. Écoute, mec, tu m'as un peu pété les couilles, tu vois. Je lui ai demandé 3 fois la paix, il a jamais voulu, et maintenant il accepte. Quelle surprise. Bon, je vais avoir une rébellion, malheureusement, à La Palma. Tu peux lever autant d'armées que tu veux, ou c'est limité? Je pense que autant que tu veux, tant que t'as l'argent pour, et la logistique pour. Mais ça coûte cher, quoi. Tout coûte cher. Là, je vais installer Trade Duty. Oh, on va faire de la bouffe. Là, je vais éviter de passer les tiers supérieurs. Là, je suis à l'attaque. Par le nombre de gens via l'Imperium. Ah ouais, c'est limité par l'Imperium. Ok. Bracara, 3 tours. 3 tours.
Je vais même me payer le luxe de faire ça. Voilà. Là, on va avoir une rébellion. Ah, Constantina, on a la bouffe. 166. Ouah, mais 16 000, les... C'est un... Ouais, non, j'aime bien avoir un peu d'argent quand même, hein, faire un peu de sous quand même. Voilà. 28 tours! Oh là 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 là! T'as réussi à mettre partout des super villes, Résus, toi, ça? T3 max pour l'instant. Ah ouais, déjà, c'est pas mal. C'est pas mal, déjà. Hop. Et tour suivant. Ah, j'ai des débuts sur DEI. Ah bah, on a appris à jouer, hein. J'ai hâte de refaire une game. Qu'est-ce que c'est? J'ai hâte de refaire une game avec la Macédoine. Parce que j'irai rusher à Polonia pour bloquer le Romain, quitte à prendre des risques et à m'exposer, pour pas que le Romain prenne pied en Grèce. Et peut-être trouver plus d'alliés dans la péninsule, sécuriser la province d'Apollonia. Coucou. Oh, ça va bien. On pète la forme ici. Hein. Alors, oh, alors je vais accepter la paix. Hein. Il est énorme, Résus, le Marcamos. Et je vois qu'il y a le Skirizos et l'Isbazéonos des Hordes qui sont sur cette terre. Il y a l'air d'avoir du monde. Hein. Que de souvenirs. Ouais, et puis on joue, là on est en multi, on fait une campagne multi avec Résus. Et on est avec des mods. Ça change pas mal de choses, c'est chouette. Ah, c'est dans le jeu que raser c'est mieux que conquérir en fait. Jouer un nomade c'est plus fun que jouer un sédentaire. Dans Antilla, oui, ça dépend. C'est juste que là dans le mode en fait, piller une ville ça fait très très mal. T'es obligé de te prendre une révolte derrière quoi. Ouais, systématiquement. Oh merde, j'ai oublié de mettre mon. Oh non, j'ai oublié de mettre mon farm stage. J'avais que ça à foutre. Oh putain, j'avais que ça à foutre dans mon tour, je l'ai oublié. J'avais que ça à foutre. Hein. Et là, ça y est, je glande. C'est la paix. Là, dans deux tours, il n'y a plus de supply. Là, enfin, je me débarrasse de la rébellion ici. J'espère que ça va passer la rébellion avec toute ma troupe. Hein. Oh putain, ouais, par contre, les. Ouf. Je vois une armée. Non, mec, je suis pas en guerre contre ce mec là, mais. Les armées de qui, Résus? Ils ont pas beaucoup d'armure, les Germains, par contre, qu'est-ce qu'ils envoient en stat? En stat, en choc et tout. Hein. Ouais, bah au niveau de... Entre Arles et Gênes, il y a un mec, là. Le Romano-Briton. Ah oui! Attends, mais le Romano-Briton, qu'est-ce qu'il fout? 30 d'attaque, 23 de damage, 48 de... Ok. Ah, il a popé là, à Vesontio, le diocèse gallo-romain. Ah, la campagne de Dawn Less Day, on attend avec impatience. Hein. Ah, mais alors j'ai vu une vidéo passée, oui, je voulais t'envoyer. Il y a Erebor qui est sorti. Ouais, c'est ça. Ça a ouais, été testé ouais. Par Terminator, ouais, qui a eu une petite avant-première. J'avoue qu'une petite campagne multi sur Dawn Less Day, oh là 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 là, ça pourrait être sympa. Hein. Mais bon, il faut être patient, au début ça va être un peu vide et c'est normal. C'est là où Divide and Conquer, avec plus de 10 ans de dev, le mode est incroyable. Du coup, on va faire des... Bah là, prochain tour révolte... On a déjà récemment... Récemment, j'avais mis ma main sur pas mal de replays de Dawn Less Days. Et on a maté quelques replays sympas de bataille multi en 2v2, 3v3, 4v4 et tout. On a vu passer des très très belles batailles en multi. Hein. Donc ouais, si des fois j'arrive à mettre ma main sur des bons replays, ouais, ça se commence. Et à niveau finance, ça va, on re-respire très très vite fait, mais bon... Ah, là, il y a une grosse révolte ici. J'ai déjà tout regardé à ma... J'en ferai d'autres, il faudra que j'aille en choper. Il y en a pas beaucoup, en fait. Au pire, on perdra la Corse, mais bon... Ah, t'as une révolte en Corse, Résus? Bah oui. Bah peut-être que je passerai par derrière, hein, ça m'intéresse moi. Ah, bah écoute, je vais bien laisser grossir la révolte à fond alors. Moi je vais devoir... Hop. Hop. Ils ont du T3, assez vénère. Hop, allez hop, à Fuera.
Moi, je les dégage, hein. Les clodos, là. Voilà. Hop, le petit coup de sabbat. Et on retourne se poser à la Palma, qui est encore en rébellion. Non, mais ils sont en rébellion permanente ici, c'est pas possible. Farmstead. Alors, ouais, le problème, c'est que là... Hop, hein. Ah oui, il faudrait que je le bouge. Dis-moi, Résus, quand on n'a pas de niveau de fertilité, c'est quoi le plus intéressant? Ça va être les chèvres ou le pâturage? Oh, les chèvres. Hein. Les chèvres. Ouais. De toute façon, tu le vois, il y a marqué food, t'as un truc flat, et après t'as marqué par niveau de... Ah ouais, ouais d'accord. Ouais. De fertilité. Ouais. Ah ouais, 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 oui, complètement les chèvres. Les chèvres, hop là. Les chèvres, pas le choix. Et là, je vais faire ça, pour pas que j'oublie. Le farmstead. Il me faut de la bouffe ici, voilà. Et là, on va... là, on y est presque, hein. Plus que deux tours. Deux tours, on va récupérer peut-être une petite mine d'or. Là, on est pas mal aussi. On fait beaucoup, beaucoup d'argent. Truc de dingue, l'argent que je fais maintenant. Quand je pense à quel moment j'étais tellement pauvre, j'étais 4, j'étais minable. Non, mais la Palma. Ouais. Là, je vais finir le. Mais attends, c'est pas possible. Ah si, le Côte Heard. Ouais, c'est compliqué. Hein. Ouais, c'est vrai que le mode 1212, je crois qu'il est, instable en multi. Hein. Mais je crois que c'est un problème avec les scripts aussi. Mais surtout que ouais, 1212, t'as pas toutes les mécaniques en multi. Ouais, en fait, il faut que, pour que ça fonctionne, je crois que ce qui rendait le mode instable, c'est en multi, c'est les scripts. Et c'est bien dit qu'il faut, enlever les scripts. Eh ben, on en a chié sur ce run là, mais là, on a réussi à stabiliser, on a une bonne économie, on a des belles armées. Bon, 3 stacks, dont un stack de giga clodo. Mais ça fait de la police, quoi, les clodos. On a de la bouffe. Les mecs, ouais, c'est vrai que le faut pas que le mode soit plus lourd, hein, parce que le... Il est bien. En fait, on a deux modes avec Résus, là, je crois. Il est lent, le jeu avec le mode, mais il est bien, hein. C'est cool, Résus, quoi, que ça nous... le jeu est punitif, hein. Oui, ouais. Après, on est parti de loin, aussi, hein. Moi, j'étais quand même... j'avais pop dans le nord de l'Allemagne, ou quelque chose comme ça, hein. Regardez, on voit les anciennes villes que j'ai rasées. Si vous voyez épisode 1, ça, c'est moi, hein. Et on avait fait tout ça, là. On avait rasé ça, là-haut. On était arrivé en Hollande. On avait... Ça, c'est mes restes. Regardez, on avait rasé tout ça, là. Ça aussi, c'est moi. Je dis ça avec fierté, c'est... j'ai mis la gueule à feu et à sang. Hop là. Ouh, y a Bordeaux qui est sous siège du... Oh, mais attends, mais c'est le... T'as l'anglais. Tu sais, Résus, là, celui qui a à Londinium, le Angel Théode. Ouais, les angles. Ouais, ouais. Bah il avait pris ce qui serait le Havre et il est en train de faire le siège avec un énorme stack de Bordeaux. Ouais, il y a un gros stack d'Irlandais aussi qui protège Bordeaux. C'est vrai. Belle armée, ouais. Et la garnison, petite garnison de merde par contre. Bonjour les uns, qu'est-ce que vous faites littéralement devant ma capitale? Résus? Bah ça va, ils ont des armées de merde, enfin elles sont à moitié mortes. Ah ouais! Regardez! Il y a des devant Raven! Ils ont des bateaux! T'as pas peur, Résus, là? Ouais, vu dans l'état où ils sont, non, ça va. Ils seraient bien, je me dirais, bon. Ils ont pris des dégâts, moi je les vois pas, j'ai... Ouais, alors les 1 par contre, qui pille à l'Aquilé, ça va peut-être faire se calmer, non? Ah oui, donc il est aussi là-haut? Je crois que les 1 arrivent en Italie. Putain, il y a Begler Altigacite, là, il me casse les couilles, là. Résus... J'ai 3 armées sur la gueule. Ah oulala, Résus fait prout. Écoutez, après les... qu'il m'ait souillé, qu'il m'ait utilisé comme son souillon personnel, on va pas trop plaindre Résus quand même, hein.
On va peut-être devoir lâcher la ville du Nord, là. Est-ce qu'il t'a pas déclaré la guerre encore? Donc ça, c'est ouais, bon. Pas encore, mais... C'est bon. Dans un tour, on va finir ça. Pourquoi les Vandales dans le sud de l'Espagne? Bah, c'est historique, les Vandales dans le sud de l'Espagne, nord de l'Afrique, en soi. Donc ouais, j'ai traversé, on a fait de la route, hein. On a fait de la route, et ma première ville, c'était Cartago Nova. Je m'étais installé, je me suis sédentarisé à... Qu'un espion de PP a donné tout... Oh non, jamais j'aurais donné... Quatrième puissance, les 1, là. Bon, tu passes ton tour, Rasius ? Oui, je bouge un de mes espions qui a pas bougé depuis 1000 ans. Je finis d'apprendre un peu, les Lombards se sont fait dégager. Et on va ramener lui un peu par là pour voir. Là, mon ami suisse, il fait du taf, hein. Ah, naissance illégitime, mission, ok. Alors, à La Palma. La Palma, on va finir par faire de la bouffe. On y aurait ça. La bouffe ici, on est bien. Oh là là, Cordoue, on va finir la ville. Dans deux tours, on va être bien. Mais ce sont pas des Germains, les Vandales? Oh, tout... Toute la racaille là, c'est des espèces de germains. Hein. On peut faire. Oh là là, les champs intégrés. Voilà. Allez, on se régale. Hein. Des très très beaux bâtiments. Là-haut, le siège continue. Et normalement, dans un tour, la garnison va commencer à se casser la gueule. Ça va nous mettre très très bien. Dans deux tours, la garnison, elle est cuite. On pourra prendre la ville. Et bah là, on est pas mal. Hein. Oh, la résistance ici, les cathos, là. Ah merde, Guélimère, t'es qui, toi? Gouverneur, tax rate, non. Hop, voilà, on récupère de l'intégrité. Et là, la ville, ouais, ça va, on récupère. C'est bon. Résus qui sert son petit anus, là. Il espère que les 1 vont pas lui tomber dessus avec 3 stacks. Bien sûr, les longues barbes. Faisons la paix, bien entendu. Les Lombards? Tu leur as cassé la gueule aux Lombards? Parce que j'ai vu les Saxons. Non, mais ils ont l'air de s'être fait casser le cul par des rebelles de l'Empire romain d'Occident. Donc... Ah. Oula, comment ça, les 1 là? Ah! Je crois que les. Non, ils vont pas déclarer la guerre, mais disons que j'ai Raven qui est sandwiched là. Il nous faudrait le même de Piper Perry en Résus à Raven, entouré de 1 de 1 avec des gros zizi. Ça serait magnifique. On va aller voir ça. Peut-être qu'on a la vision pour voir ce qui se passe à Raven. Après, avec un peu de chance, ils ne font peut-être qu'une visite courtoise pour aller en Espagne, là où il y a des mines d'or apparemment. Non, ils oseraient pas, Résus. C'est pas le chemin le plus rapide pour aller en Espagne. Il y avait peut-être moyen de passer par le haut. Hein. Oh, aucune idée, hein. Je connais pas bien les stats. Les batailles de révolte, hein, tu m'as dit que tu t'en foutais. Hein, hop. Oui, les révoltes, on s'en débarrasse. Hein. Ouais, mais attends, là. C'est Léa, ça? Non, c'est pas Léa, ça. Résus, c'est quoi cette bataille? Ah ouais, une bataille de rebelles, mon cul, Résus. Ouais, on va la faire, celle-là. Oh là là. Ce sont des rebelles? Ouais, t'as plein de caves, hein. Bon, c'est pas... Non. Mais c'est quoi, Résus? C'est... Ouais, non, t'as trop... Y'a trop... Ouais, j'ai un pestrombilitum et tout. Ouais, non, je vais te la laisser. C'est bon, j'ai pas envie de faire toutes les batailles. C'est du clodo. Casse-leur la gueule. Voilà. On les a bien ouverts. Hein. J'aurais aimé que ce soit les 1 qui attaquent Résus. Non. Ça aurait été amusant. Ouais, peut-être qu'ils attendent de se mettre tous bien au milieu de l'Italie. Ça, hein, et puis après, ils positionnent leurs forces, Résus. Ouais. Ah ouais. Et ici, les armées. Ouais, mais non, mais la gueule des armées. Il n'y a pas de garnison, mais le problème, c'est les sacs, tu te défiles. J'ai pas envie. Moi, ça me fait chier de faire toutes les batailles. Là. Les batailles sont. Moi, je trouve pas les batailles fun à Attila. Je suis désolé, hein. Je trouve pas les batailles très très fun à Attila.
Je trouve ça très dynamique, c'est très sombre, il y a du brouillard, la cavalerie, on a l'impression que c'est des chevaux sous stéroïdes, ils ont visiblement jamais vu de cavalerie, les codeurs du jeu. Moi je suis pas très très fan, hein. Je préfère faire les auto-battles, hein, je cache pas. Hein. Oh, mais j'ai 4 armées qui viennent me voir. Non. Résus qui fait prout. Et elle pense à leur sortir cuillère et puis les cartes postales. Après, bon, ouais, ils ont pas l'air dans de très bons états. Mais ils me pillent par contre, hein, sans vergogne. Hein. Ah ouais? Ouais, ouais, on a killé le mec. Il y a clairement l'animation de je te casse la gueule. Ça, par contre, c'est pas cool. Ok, là, de toute façon, si je suis dans une phase de révolte, là, c'est... Bah, si il te pille, ça va pas aider à la révolte, hein. Tu vas peut-être devoir lui déclarer la guerre, hein. Ouais. Attends, bon. Je vais aller voir. Est-ce que le long barbe, il m'aime bien, maintenant? Ah bah si, tu peux les apprécier, les Total War. Tu joues et tu fais les auto-battles, hein. Et puis voilà, comme moi, là. J'adore le mode, hein. Mais, ouais, les batailles, elles m'emmerdent un peu, quoi. Je vais pas le cacher, hein. Ouais, moi quand je joue en solo, je fais pas forcément toutes les batailles. Hein. T'as même des stacks, tu joues, et puis moi j'aime bien juste développer mes villes, construire. Ah, moi et aussi, voilà. Et quand je dis ça, les gens me prennent pour un fou. Voilà, là, okay, c'est bon. Ton clavier rend ton message difficilement compréhensible. Salut! Attends. Tu nous fais quand? Est-ce que tu nous fais que t'as pas. Putain, j'en crois rien. Pensez toujours à relire vos messages, les gars. Ah, ça y est, j'ai des clochards à mettre en gouverneur. J'avais le clavier en QWERTY, ouais, je connais ça, j'ai le même souci. Ouh là là, et là on va finir. Hispalis, on passe le niveau 3. Oh, je suis en train de faire de ces petites villes là. C'est super, hein. Bon, là-haut, est-ce que la garnison fait la gueule? Normalement, oui, hein. Pas encore. Tour suivant. Tour suivant, ça va commencer à lâcher. Et normalement, ça devrait être bon. Carthago Nova, on va faire péter les champs. Normalement, il me semble qu'il y a de la fertilité, c'est pas exceptionnel. Mais c'est pas dégueu non plus, la fertilité. On a déjà un moins 2 avec le climat, Résus, hein, quand même. Hein. Voilà, 80, on va pouvoir faire péter le niveau 3. C'est quand même ma capitale, voilà. J'ai un clavier portugais programmé en QWERTY, putain. Je voulais savoir quand tu faisais la partie 3 de Gundabad. Normalement, demain soir. Ouais, demain soir. Résus, à toi de jouer. Ah non, zut, je dois... Hop, voilà, tac. Tac. Merci pour la réponse, pas de soucis. Passe une bonne soirée. On va finir le veil, je suis pas sûr. Hein. On va déjà essayer de prendre la ville là qu'on visait. C'est pas facile qu'une dabade. Hein. Mais c'est chouette. Vous avez un bon roster, il y a moyen de faire de l'argent. Belle cascade de lave en Islande. Incroyable. Hein. Pour ceux qui n'ont pas vu, là, allez sur YouTube, tapez Iceland Eruption. On a, je sais pas si ça continue, mais on a une cascade de lave totalement folle qui sort du cratère. Truc de dingue. Ça vaut le coup d'œil. Bon, Résus, est-ce que le 1... Oh, regardez les armées 1, j'avais pas vu. Regardez chez Résus. Et ça pille. Et Résus, là, moi, je serais un peu inquiet, quand même. Hein. Il y a une bonne garnison à Ravenne, là. Oui, oui, c'est ma capitale, mais... Il y a 4 stacks. Et ça pille. Ah ouais, la ville est à moins 20 déjà. Ah, bah il vient encore se suicider. Ah, il y a des rebelles qui pop. Bon bah les rebelles, hein, c'est bon. Hein. Bon, en plus t'es aidé mais par les 1, ils m'aident. Il y a les 1 qui t'aident, ouais. Hein, c'est incroyable. Ouais, du coup j'ai vu leur armée, il y en a une, c'est la moitié, c'est que des méga cheval là qui tirent. Oh là là, si je pouvais commander ça contre Résus. Pour le rendre fou, full archer de cave. Ça serait le top, hein.
Le volcan s'emballe. Ouais, j'ai vu que ça crache bien. Et ils ont rouvert le Blue Lagoon hier, hein, ces espèces de tarés. Hein. Ils ont réussi à rouvrir le Blue Lagoon, hein, alors que c'est super dangereux. Si les vents tournent, il peut y avoir des hauts taux de concentration de dioxyde de sulfure. Et c'est tellement des escrocs. Oh là là, malheureusement, je vois pas ce qu'il y a dans les armées 1, mais il y a du monde. Hein. 4 stacks 1. Et Résus, s'il continue à piller éternellement, là, tu vas finir par avoir des problèmes à force. Putain, elle est jolie ta ville, hein, Résus. Hein. Je vois tes égouts niveau 3, comme chez moi. Trade Wharf. Un temple. Communal Ground. Des champs irrigués. Putain, très jolie ville. Sur beaucoup d'aspects, ça ressemble un peu à la nouvelle Carthage. Ouais, t'as une belle garnison. Hein. T'as des très très belles garnisons. Hein. Je vois que t'as de... Là, il y a des révoltés. Là, ça s'est calmé. Ça va remonter petit à petit. Il faudra... Non, Fishing Port, c'est bon. Il y a les marcomans. T'as pas de rébellion, là. Je vois que c'est calme, l'Italie. L'Empire romain d'Orient, Dyrrachium, là. Oui, vous êtes en cure de balnéaire, oui, bien sûr. Dyrrachium ? C'est où, Dyrrachium, Résus ? En Albanie. Ah ouais ! Non, mais c'est une cure thermale. Oui, sans aucun doute, Résus. C'est ce qu'il t'a dit dans sa lettre. Non, il va pas du tout vouloir reprendre... Non, non. Ok, ça on fait ça. C'est quoi, c'est un jeu d'échecs ça, plus ou moins? Okay. On s'en fout. Putain, elle. Ok, la Palma, on est pas mal. Glowing with health. Putain, la MILF. Ok. Et bon. Ouais, de toute façon, c'est les IA qui proposent la paix quand elles veulent la faire. Hein. Puis, ouais, c'est hein. Ça. J'ai l'impression que quand c'est toi qui proposes, ça dit tout. Systématiquement, ça dit non. Hein. Oui, peut-être si, oula. Peut-être mettre une armée dans ma capitale quand même. Voilà. Résus un peu en panique. Là, j'ai combien? J'ai 112 de bouffe. J'ai mis du T3 partout dans les villes, mais j'ai accès au T4, mais j'aurais pas 60 de bouffe. Non, mais d'où je sors autant de bouffe? L'autre là, il a vu la Vierge ou quoi? Comment je sors autant de bouffe? J'ai même pas les têtes pour faire ça. Royal Conseil. Ouais, bon. Là, je vais débloquer pas mal de nouveaux bâtiments, mais c'est indécent ce qu'ils demandent en bouffe pour passer les T4. Oui, mon œil de go. Bon, là, normalement, la garnison a dû commencer à s'effondrer. Hein. Oh, regardez la garnison. Encore un tour. Et normalement, je prendrai la ville. Résus fera pas la bataille. Hein. Il me doit bien ça. Ah, mais je pouvais le chercher longtemps, mais il est mort. Ah bah moi aussi, Résus, il est mort, mon espion que j'avais depuis le début, là. Oh. Putain, et je crois que je peux même plus en recruter, non? Et là, ouais, Non, mais 3000 On en parle des 3000 de maintenance, là? Non, mais dans les métropoles, c'est pas possible. 3000 de maintenance, mais je les sors d'où, moi, les 3000, ça fait cher, quand même. Ah, tu te fais de la thune, c'est bon. Ouais, mais bon, 3000 plus 3000... Pain off, allez, me fais pas chier là avec ton pseudo gameplay, c'est à la Crusader King là. Cordou. Là, normalement, la vie va évoluer à 7. Ouais, ça va être long. Et ici, bon, ouais, la bouffe, j'en ai pas. La bouffe, j'en ai pas. Ici, j'en ai par contre. Mais tout est en développement. Par contre, je vais commencer à casser le Castrum Limitum là. Je vais casser le Castrum Limitum pour débloquer un nouveau bâtiment à la place. Vu qu'on est à l'offensive, on peut se débarrasser des bâtiments défensifs romains. Et là, au niveau bouffe, on pourrait faire péter quand même un bâtiment. Mais ouais, non, ça coûte tellement cher. Ça coûte tellement cher. 60 de bouffe. Ou de carbone, 60 de bouffe. En soi, je les ai, les 60 de bouffe, hein, c'est pas le problème. Hein. Mais c'est que... Ouais, on va se partir. Il faut que... Ça va devenir une très grande ville ici. Donc on va donner les moyens. On va donner les moyens. C'est parti, je passe mon tour. Et ça met des hauts murs aussi. Et c'est vrai que je crache pas sur les hauts murs dans la ville.
Résus a raison, on fait quand même de l'argent avec les impôts au bas là, on arrive à faire beaucoup de thunes. Maintenant, que va faire le. Ah, il y a un quatrième stack qui a costé. Ok. Résus, je me fais aider par 4 stacks, mais. Écoute, Résus, accueille-les, Résus! Accueille-les! Ne sois pas raciste, ouvre les portes de ta forteresse, de ta capitale, fais-leur visiter! Non, mais je dois endurer, je pense que c'est un stratagème pour me faire craquer que je les attaque, mais. Après, je vois que tu fais quand même vachement un paquet d'ordre public à Raven. Donc tu t'en fous en soi. Tu perds un peu d'argent, mais. Ouais, parce que j'ai 2 armées dans la région, c'est pour ça. Ah bah oui, avec les 1, je veux pas laisser non plus les villes sans rien. Bah, attaque-le, Résus, hein, à un moment. Non, non. Tu peux pas le laisser comme ça, bolosser ta campagne. Oh, c'est une bataille de révolte, 50-50, quasiment un peu. En faveur pour moi, mais bon, c'est pas passionnant. Ouais. Ah! Ennemi force. Ça, par contre, Résus, c'est lui qui attaque le bled, c'est ça? Oui, c'est lui. Ouais, mais j'aime pas les batailles où t'es en def, là. Moi, ça me fait chier. Oh, non, non, ça me fait chier, moi. Ce genre de bataille de merde, là. J'aime pas. Ça va durer 30 minutes. Il va être retranché au centre. Moi, ça me fait chier, ce genre de bataille. Hein. J'ai pas envie de faire ça. Hein. Par contre, là, je sais pas. Là. Hop. Voilà, les 4 stacks, ça fait quand même beaucoup, hein. 4 stacks, ça fait beaucoup, hein. Oui, mais tel Laurent Fabius. Pépé qui envoie des thunes au 1. Non, non, le 1, il se démerde. Mes thunes, je les garde dans mon trésor. Regarde comment il pille. Tu crois vraiment qu'il a besoin de moi? C'est Résus qui paye, là. Regardez. Ça s'arrête, hein. Ça amène de la désolation et tout sur la province, hein. Regardez, dévastation là! C'est pas cool hein! Encore! Non, ouais. Les révoltes. Putain, mais. Dès que tu prends des villes, de toute façon, ça s'enchaîne un peu. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Résus qui mate la racaille à coups de pilum dans les noyaux. Mmh. Je pense que c'est bon. On va retenter de faire du commerce avec d'autres gens, hein, c'est jamais. En tout cas, je suis très ami avec le nouvel empire romain d'Occident. Bah écoute, profites-en, hein. Ton grand copain. Ouh, dans 4 tours, je finis cette tech. Ça fait plaisir. Ah. Bon, Résus, il est temps, je pense, d'aller prendre cette ville une bonne fois pour toutes. Oui, bon, Résus, tu vas pas faire la bataille, là. Hein. Tu me vois bien ça. De toute façon, c'est que de la racaille. Hop. On a bouffé la garnison. Voilà, victoire. Bon, putain, les pertes que j'ai pris, 1700 mecs. Ah, il m'a refait la muse quand même, hein. Je vais pas saquer, on va occuper. Voilà. Parfait. Bon, on va tout réparer. Repair. L'auditoire, on le cassera. En plus, c'est parfait, c'est des lycéens, c'est mes copains. Mmh. Voilà. Le taux d'imposition, mais moi, c'est Pépé qui taxe pas beaucoup. Moi, je taxe au mid, hein. Moi je suis pas au minimum et un cran au-dessus là. Je peux me permettre. Et puis après il a des armées qui coûtent pas très cher. Ouais c'est ça le truc aussi hein. Je suis pas malheureux sur ça. Parfait. Là j'ai mon argent qui remonte parce que j'ai pris j'ai Ajax qui est stable maintenant et j'ai pris Arles avec les trucs réparés ici. On n'a pas le Stun Fortify. On va pouvoir. Ça me rapporte rien. Mais... On va attendre que la rébellion pop, on va stabiliser la province ici. Fini quelques bâtiments aussi. Alors, je vais peut-être dégager l'auditoire là. Ah non, moi je vais dégager le campus militum. Je vais dégager le campus militum après, et peut-être qu'on aura accès à la mine.
Voilà. Écoutez, si Jésus a des problèmes avec ses voisins, tant pis pour lui. Hein. Voilà. C'est son problème, littéralement. Et ici, Carthago Nova, parfait, la bouffe. La bouffe est en train de bien monter. Et j'ai lancé le tiers supérieur. Et là, j'ai 92 de bouffe. 31 tours, mais au secours, les pas. 31 tours! Putain! Bon, dernier tour pour ce soir, Résus. Ça sera déjà pas mal. On aura fait une bonne session. Ah oui, gouverneur provincial. Aïe, aïe, aïe. Allez, toi, t'es qui? Champion Rider, non. Indulf, Master Planner. Logistical Expert. On va prendre ça, voilà. On va mettre mon Eddy. Voilà. En soi, c'est déjà ma religion ici. Donc ça va, voilà. On est déjà à 53%, donc il m'aime bien. Et voilà. Voilà. Alors. Bon, on va aller voir chez Résus. Regardez. Ils ont l'air de trouver l'Italie vachement sympa quand même. Hein. Oh là 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 là. Le seigneur fait ça. Ouais, c'est ça. Mais... Résus est en train de se délecter de pâtes de fruits et de pâtes d'amandes et refuse de regarder ce qui se passe dehors. Ah mais je pense que je vais craquer le premier. Hein. Je vais. Parce que là, il y a... Et il prend des gratins en plus, je vois, il prend de l'XP. J'ai vu le 1 prendre de l'XP. Ah ouais, ouais. Non, je pense que je vais aller avec 3 armées, puis je vais le wipe. Hein. Ah complètement, hein. Faut essayer à un moment. Après, je sais pas si c'est ses seules armées, mais bon, visiblement... Ah, c'est terrible, il déclare pas la guerre, il arrive, salut. Écoutez, On va démolir un peu les fermes là pour se chauffer. Vous êtes sûr? Ouais, tu peux même pas les payer pour qu'ils se barrent quoi. C'est terrible parce que soit s'ils te déclaraient la guerre, au moins tu saurais à quoi t'attendre. Mais là, le mec vient squatter tes terres en mode salut. Je pose mes couilles sur ton front. Oh, il revient l'autre glandu. Encore? Bon. Voilà. Hop. C'est quoi ça là-haut? Attendez, je suis perdu là. Oula, 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 oula. Voilà. C'est qui? C'est quoi ce truc là? Ah oui, des rebelles germains. Ok. Des rebelles germains. Carrément. Oh là là, Résus devant Bordeaux. Bordeaux est pesteuse et il y a 2 stacks maintenant. Ah oui, les angles. Ouais. 2 stacks. Oh là 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 là. Ça m'a tombé à un moment, hein, Burdigala. Burdigala, ouais, la garnison est un peu merdique. Il y a quand même une belle armée. Ouais, il y a quand même une grosse armée. Et là-haut, ça se passe bien. Je vais casser Bon, là, ça remonte vite. Dans 2 tours, on est bon. Ajax. L'auditorium, c'est un peu de la merde. Ready for battle. Je vais pouvoir commencer à ramener les armées. Et on va installer de la bouffe. Ouais, je vais casser le Castrum Limitum. On va installer de la bouffe. Un puits, et on va commencer à se préparer à sécuriser la province. Ici, la bouffe, c'est bon. Au Baléar aussi. On pourrait même mettre un puits au Baléar. Pour l'hygiène. Césaré, j'ose pas faire péter le T4 parce que ça coûte un peu cher, je trouve, l'entretien. Mais c'est vrai que les bonus
Et ça, j'ai déjà des murs et tout. Hein. Ah, pareil, je vais récupérer des murs. Ah non, je récupère même pas des murs. Ah, Résus a passé son tour. Magnifique. Alors, Hispalix. Ouais. Je vais pouvoir commencer à ramener les armées. On va les recompléter. Hop là, direction Emerita Augusta. Ah, ma souris. Et ici, je vais casser le Castrum Limitum. Tac. Je vais casser l'auditoire aussi, tant pis. Même si ça aurait été intéressant. Je vais mettre des bâtiments économiques. Parce que là, je suis à moins 38 en bouffe. Il va me falloir. C'est quoi la fertilité? Mais c'est bien installé, c'est Gobridge. En fait, dans ta capitale, tu galères à mettre des bâtiments qui coûtent de la bouffe parce que t'as pas les deux autres provinces. Quoi. C'est ça. Et les deux autres provinces, il y en a une qui a été rasée et qui a été reprise que très récemment. Donc la province est merdique. Ouais. En fait, c'est deux provinces merdiques, les deux autres. Tu vois. Donc c'est pour ça que ouais, je suis pas allé les prendre depuis parce que. Elle c'était pas intéressante. Par contre, là, maintenant que j'ai sécurisé des provinces plus intéressantes... Ouais, elle ressemble à quelque chose, maintenant. Bon, c'est ouais. Pas dingue, ce qu'il y a. Enfin, tu peux remplacer, mais... C'est ça. Ça. Mais ouais, on va investir. Bon, on s'arrête là, Résus. C'était déjà une bonne petite session. Ouais. Tu me tiendras au jus pour la semaine pro. Hop là, voilà. Tac. Et ouais. Belle session. Ça avance. Ça avance. On a survécu au moins, tu vois. Après, je vois le 1 là. Oh là là, ça pille à 3. Les 3 stacks qui pillent chez Résus. Est-ce que la dévastation, elle se stack, Résus? Ah, Raven, attends. Non, la dévastation se stack pas. Donc là, je vois juste moins 0,2%. Ok. Bon, Résus, je t'abandonne. Tu me tiendras au jeu pour la semaine pro si t'as un souci. Pas de souci. Ciao, mec. Et pour les autres, passez une bonne soirée et je mettrai le planning à jour demain et puis ouais, on continuera la semaine prochaine. Allez, ciao, passez une bonne soirée, bon dimanche et salut tout le monde.